Et bonsoir tout le monde. Les bites. J'étais la bite du décès. T'as pas mis la bonne image en plus, Bac et des villes. Comment ça, j'ai pas mis la bonne image? Bah oui. Comment ça? Bah sur le stream. Mais où, d'où? C'est pas l'image de mon perso. C'est une des images, mais c'est pas la... Ah, c'est pas la bonne. Bah non. Parfait. Super. Oh, bravo. Ah, attends. Eh ben, écoute. Bah, c'est pas très grave. Hein. C'est pas grave. Pour l'instant, ça sera l'image de ton perso. Merde. Comment ça se fait que je m'ai trompé? Je te la remets sur... Ah, mais oui, c'est vrai. Oh, putain, la vache. J'avais eu le choix entre trois images, j'ai pris la mauvaise. oui, bah écoute, je réglerai ça la prochaine fois. Alors désolé, du coup. Bonsoir tout le monde, meilleure intro du monde encore une fois. On commence à se spécialiser. Hop là, un petit peu de musique de fond. Regarde déjà, bonjour à tout le monde, enfin bonsoir à tous. Bonsoir YouTube, bonsoir le chat et bonsoir les joueurs, comment que ça va bien? Bonsoir, ben ça va, ça va, forme. Fatigué, ça va. C'est compliqué, le retour du Stunfest. Ah bah oui, le Stunfest, j'ai entendu dire que bon, ça s'était bien passé. Enfin, pour les gens que je suis un peu et qui y sont allés, a priori ça s'est bien passé. Hein. Plein de fêtes, plein d'alcool, plein de potes. Ah par oui, contre, le retour était difficile. Hein. C'est le Stunfest. Voilà. Le Stunfest où on ramène le Stunpest. C'est ça, voilà. La base. Hein. Pourtant, c'est pas faute d'avoir bu pas mal de breuvages pour vous protéger de tout ça. Hein. Ah ouais, mais bon. Mais il y avait pas de galette saucisse, ou très peu. Donc forcément, on avait pas d'antidote. Ah, ouais, les galettes saucisses, il y en avait qu'à partir de samedi, ils avaient ouvert un petit stand à l'arrache parce que le stand habituel les avait lâchés au dernier moment. Ah, et il y avait une queue de ouf, t'avais l'impression que c'était... Tu sais, c'était limite la galette saucisse de contrebande qui est vendue sous le manteau, quoi. Oui, c'est ça. C'est genre mode avec une galette... Enfin bref. C'était froid, pas bon et... Bref. C'est ça. Mais c'est comme un rail de coke, les gens faisaient la queue pour l'avoir, quoi qu'il arrive. Tout dans tous les cas, forcément. Ok, bah du coup, et bah c'est cool, j'adore rebondir sur les trucs. Bientôt un JDR de Bac à des villes directement streamé depuis Stunfest. Oh, oh là là. Je signe direct, comme ça Nécro pourra venir. Ouais, alors là, pour le coup ouais. Vu qu'en fait nous on l'a pas assez motivé, enfin on était pas assez motivant on va dire. Non mais oh là là, en tout cas tu m'en veux encore. Y'a aucun souci, y'a aucun souci, tu vas prendre une tarte. Je savais que tu m'en voulais mec, ah putain. Je t'en veux pas, ta gueule. Arrête. Ah, je le savais. Je t'en veux pas, ta gueule, je te parlerai plus jamais. et donc, blague à part, donc Warhammer Fantasy Roleplay, 4ème édition, on est reparti, frais et dispo avec de nouveaux personnages pour une campagne, j'allais dire une nouvelle campagne, mais en fait, bon, c'est voilà, la dernière fois c'était un two-shot, donc ça ne compte pas. Mais ça nous a quand même permis de voir un petit peu comment ça tournait et de confirmer un peu le fait qu'on avait envie de continuer à faire les foufous avec le système. Donc, on va faire un petit tour de table pour présenter les personnages. Et puis après, on est parti en direct. Et on va commencer par Macabre. Yes. Avec le mauvais avatar, donc visiblement. Oui. Bah, c'est pas grave, c'est, les elfes, ils sont tous pareils. Allez-y, coup, j'en profite pour faire le changement. Je joue Ice Lorraine Shadow Step. Shadow Step parce que les noms elfes sont trop compliqués pour les autres races. Du coup, on utilise un peu des surnoms pour que ce soit plus facile pour les autres. Donc voilà, ça met déjà tout de suite le style où les elfes un peu ils se freinent un petit peu pas pour de la merde. Donc je joue un elfe sylvain pour le coup, guide, c'est à dire en gros le début de la carrière de scout éclaireur si vous préférez, et donc je viens de la forêt de Lorelorn qui est en fait une enclave elfe sylvain au nord de l'Empire où les elfes sylvains se sont installés un peu
entre autres pour un peu espionner les humains et aussi pour se mêler à eux et puis entretenir un peu de relations commerciales et un peu plus cordiales que ce qui est au départ. À part ça, qu'est-ce que je peux dire sur mon personnage sans dévoiler non plus tout? J'ai l'habitude de voyager, je suis plutôt un vagabond et j'ai appris à survivre en fait dans la nature, soit seul, soit avec des compagnons elfes. Et donc j'ai un peu l'habitude de me débrouiller en fait en milieu hostile. Et je pense que c'est à peu près tout pour la base. Et c'est déjà très bien, merci beaucoup. On va passer directement à Necro. Alors, mon perso donc, il s'appelle Argonara Tornator, qui est donc un humain. Je suis un guerrier prêtre, pour être plus précis. Donc j'ai 29 ans, je mesure 1m95, j'ai les cheveux bruns, j'ai les yeux bleus. Donc je viens d'une ville qui s'appelle Dunkelberg. Alors je vais avoir beaucoup de mal à dire les noms, puisque c'est des noms allemands à connotation arabe, donc voilà, ça va être terrible. Donc voilà, je viens de la ville de Dunkelberg. Pour dévoiler un petit peu mon histoire, je vais en dire un petit bout. En gros, je suis orphelin. Je n'ai jamais en fait connu ma mère et mon père. J'ai été laissé à l'abandon justement dans cette église qui m'a nourri et aidé tout au long de ma vie. Et il s'est passé beaucoup de choses. En soi, mon nom et prénom, c'est un peu mon nom et prénom d'emprunt. Je ne sais pas exactement comment je m'appelle. Je m'appelle ainsi, mais je ne connais pas réellement mon identité. Et t'as ton blaze, c'est le John Doe version allemand de Warhammer. C'est ça. Merci. Exactement, tu vois. Exactement. Et du coup, voilà, il se passe. Mon perso, voilà, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'en dirai peut-être plus au fur et à mesure de la campagne et de l'histoire. Ah oui, pourquoi j'ai pris un gros balèze? Mais parce que je suis en gros balèze! IRL. IRL. Bien évidemment. Je mesure aussi 1m95. Ah, pas mal. Non, je plaisante. Pas vraiment. Du coup, on va passer à Menou. Eh ben, enchanté. Eh ben, enchanté. Donc, je suis Ormen Usenger, un humain ayant vécu seul, ayant grandi seul. J'ai eu la chance de connaître mes parents, mais à l'âge de 4 ou 5 ans. Je ne me rappelle plus trop, assez traumatisé de cette époque. Mes parents ont été tués tous les deux devant mes yeux par une sorcière. Et depuis, je souhaite, plus que tout au monde, prendre ma revanche sur cette sorcière que je cherche encore. J'en ai fait ma vocation et je suis devenu Winchanter. Et je souhaite devenir Winchanter, du moins. Tu es déjà interrogateur. Voilà, je suis déjà interrogateur. Et je laisserai personne, ni quoi que ce soit, m'empêcher de retrouver cette sorcière. Il y a des bûchers. Charmant. Ça va bûcher, sévère. Si on crame du boulot, moi je vais pas kiffer. Hein. Non, on va trouver des solutions les plus écologiques et long terme, évidemment. Ok, parfait. Et ben, du coup, on va terminer avec Ashton. Ah, bonsoir. Donc, cette fois-ci, je vais jouer Katja Panzinger, une humaine contrebandière, qui, elle aussi, est orpheline, hein, décidément. On n'a que des persos tragiques. Qui a survécu dans les bas-fonds de Marienburg et qui a réussi à s'élever plus ou moins socialement. Via les réseaux de contrebande de la ville, jusqu'à réussir à trouver l'indépendance financière. Et depuis, elle continue dans cette voie, en écumant les ports et en soutirant du pognon à tous les marins crédules qu'elle peut croiser. Et malheureusement, désolé pour vous, même si l'artwork le laissait entendre, elle n'a pas de toucan livré avec elle pour l'instant, tout du moins. Pour l'instant, hein, ça fera partie des objectifs de vie, en plus de se faire un max de pognon, d'essayer de trouver un toucan et de lui mettre un petit drapeau de pirate sur le bec. Parfait.
Bien, bien, bah écoutez, on a fait le tour. J'ai eu le temps de modifier le token. Tout va bien. J'ai réussi à faire deux choses à la fois et ça, c'est pas mal. Incroyable. Donc, alors pour l'artwork sur le strip, je sais pas si ça va changer tout seul ou, ouais, t'inquiète, hein, ou si ça sera pour la prochaine partie. C'était plus pour te prévenir en fait. Parce que... Non, mais t'as bien fait. Ouais. Donc, je ne mourrai pas, t'inquiète pas. Donc, vous êtes actuellement à Überstrike. Déjà, voilà, tout le monde est paumé. je vais vous montrer la carte quand même pour que ça soit plus simple. Ouais, n'oublie pas à tout moment, bah, qu'il y a la technique dont je te parlais tout à l'heure. Tu fais des POC sur la carte générale, tu fais c'est ici, démerdez-vous. Tiens, pour une raison qui m'échappe, j'ai perdu Discord, donc. Pourquoi pas? T'as perdu l'overlay, tu veux dire? Non, j'avais perdu la fenêtre. Elle avait tout simplement disparu. Parce qu'il y a des chances que je l'ai fermée par accident, mais que ça n'a pas coupé la conversation, et ça, c'est beau. Oui. Ceci, voilà. Peut-être que je vous déplace vous aussi, parce que sinon. Vous n'allez pas comprendre. Donc, comme d'habitude, vous êtes le point bleu. Est-ce qu'en dézoomant, ça va devenir net? Attention. Peut-être. Juste que ça charge un petit peu, mais ouais. Ouais, ça... c'est bon. Là, la malédiction des maps pixelisées. Ah, on est au point bleu, donc on est à... Ouais, Überstrike, d'accord, je vais noter. Alors, Überstrike, qu'est-ce que c'est? C'est une ville fortifiée. Et c'est aussi la ville qu'on appelle la ville à la croisée des chemins, puisque c'est par ici que passe, en tout cas que transite pas mal de routes. Donc de routes qui viennent aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur de l'Empire. La position est effectivement stratégique, puisque Überstrike protège la passe de la Dame Grise. Voilà, qui est pratiquement le seul chemin à travers les montagnes grises pour atteindre ce qu'on appelle la Bretonnie. Donc la Bretonnie, pour ceux qui se posent un peu la question, c'est l'équivalent de la France médiévale, plus ou moins, dans l'univers de Warhammer. Yes. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a un Studfest là-bas tous les ans? Il y a pire que ça. Il y a la Dame du Lac. Il y a la Dame du Lac, il y a les galettes saucisses, il y a tout ce qui fait la Bretagne. Hein. Donc la Bretonnie, haut lieu de chevalerie, où effectivement donc les chevaliers guerroient régulièrement pour l'honneur, et au nom de telle ou telle dame ou de tel ou tel emblème, ce qui est un peu risible de la part des Reichlanders, ou même des habitants de l'Empire en général, qui ont dépassé depuis très très longtemps ce stade ils ont laissé cette époque derrière eux, ils sont beaucoup plus civilisés, beaucoup plus orientés sur le commerce, les échanges en général et tout ça. Bref, la passe de la Dame Grise a souvent été, symbole de discorde entre la Bretonnie et l'Empire, et c'est pour ça que Überstrike sert plus ou moins de rempart à la Bretonnie à l'époque, ça se fight assez souvent pour son contrôle, étant donné le côté stratégique de l'endroit. Bien évidemment, y a eu certains accords qui ont été passés. Bien entendu, certains accords n'ont pas été respectés des deux côtés. Depuis, on va dire que c'est plus ou moins l'Empire qui contrôle la passe. Mm-hmm. Donc, ouais, l'Empire. Au-delà de ça, Überstrike. Waouh, merci Alimec pour les 3 mois de sub. Merci beaucoup. Bravo pour l'argent, tout ça. Au-delà de ça, donc Überstrike est également donc une ville fortifiée qui a été détruite plusieurs fois, par rapport à différentes guerres, que ce soit les peaux vertes qui sont venues raser, ou la malédiction du château Drakenfeld qui est venue et qui a créé une faille du warp à cet endroit-là.
Donc, que des bonnes choses, quoi. Jusqu'à ce que, au final, Magnus le Pieux vienne libérer la ville, enfin, ce qui restait de la ville après un passage d'Escaven, nettoie le tout et demande donc aux nains de construire les meilleurs remparts qu'ils puissent construire et un magnifique pont qui surmonte donc la rivière Teufel, donc le cours d'eau le plus important de la région, puisqu'il permet énormément de transport de marchandises, rivière que navigue couramment Kaja, puisque c'est une partie de ses marchandises viennent de là. Toujours est-il, Ubersike, c'est une ville fortifiée qui est assez récente malgré l'âge de la ville, encore une fois à cause des multiples reconstructions. Et jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à récemment en tout cas, elle était contrôlée par des nobles, notamment le graphe, je ne sais plus comment il s'appelle et on s'en fout, qui dirigeait la région et qui a été destitué récemment par l'empereur lui-même. Qui, après avoir passé un décret à minuit, carrément à minuit, hein, le mec ne dort jamais, il a envoyé un contingent de 5000 gardes d'Aldorf jusqu'à Ubersreich pour prendre contrôle de la ville. Et depuis, Ubersreich est sous contrôle temporaire d'Aldorf jusqu'à ce que quelqu'un arrive à élire, on va dire, un nouveau dirigeant. Ça doit être un bordel au niveau des routes commerciales et compagnie. C'est un bordel. Alors, disons que il y a pour l'instant encore suffisamment de stabilité dans la région, à tel point que depuis très très longtemps, la ville n'a pas été aussi rentable que ça. Hein. Là, étant donné que les taxes ont été forcément, pour la plupart, oubliées, puisque c'était les nobles qui les mettaient en place, et que pour l'instant, bah, il n'y a plus que Aldorf qui met une taxe, donc l'Empire en lui-même. Hein. Donc ça réduit considérablement les pertes de pognon, et ça augmente énormément les profits des divers guildes marchandes qui officient à Ubersreich et dans la région. Et donc, c'est dans ce climat, effectivement, où... les habitants de Ubersreich sont un petit peu contraints de vivre sous la domination d'Aldorf, et en même temps où les marchands arrivent quand même un petit peu à sortir du carcan qui leur était imposé jusqu'à maintenant par les nobles. Mais du coup, il y a comme une... Oui, pardon. Il y a une loi martiale, il y a un couvre-feu imposé, ce genre de choses dans la ville ? Pas de couvre-feu imposé, en fait. Les règles sont pas plus strictes qu'ailleurs dans l'Empire, mais disons que le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'autorité dirigeante à part le conseil de la ville, qui encore une fois ne sert que de remplacement à un véritable dirigeant. Il y a certaines règles qui ne sont pas appliquées, certaines qui sont oubliées, certaines qui sont même clairement et purement annulées, puisque avant c'était les nobles et leur maison et leur garde qui les faisaient appliquer. Donc il y a une certaine liberté pour les criminels qui fait que c'est plutôt au beau fixe pour ce genre de trafic, notamment pour toi, je pense, Kaja. Très bien. Les joies de la contrebande, jamais. Eh oui. Yes. Malheureusement, tout ne s'est pas forcément bien passé pour toi à la base, puisque tu as été attrapé à un moment donné. C'est les risques du métier. Tout à fait. Tu as été attrapé par un certain Ormen, un interrogateur qui travaille donc pour l'église de Sigmar, et plus directement pour l'Empire, qui, à défaut de te faire arrêter et de te faire envoyer aux galères, voire pire, la peine de mort, hein, généralement les interrogateurs ne perdent pas trop de temps avec les petits criminels, il t'a proposé très clairement de te mettre à son service, parce que
pour les missions qui l'attendaient à l'avenir, il avait besoin de quelqu'un qui agissait un petit peu en dehors de la loi. Ok. Donc, malheureusement, tu n'as pas vraiment eu le choix. Enfin, disons que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. Ouais, sinon, c'était la mort, quoi. Presque. Sinon, enfin, la mort, les galères, la prison, enfin, il y avait tellement de trucs, quoi. C'est, j'aime bien comme t'as eu beaucoup de choix. Suite à ça, vous avez fait la rencontre d'un certain Organara, un prêtre guerrier qui écumait les routes, un petit peu sans but, enfin en tout cas a priori, et Argonara s'est plus ou moins lié d'amitié avec Ormen. Enfin, amitié, c'est un bien grand, mais en tout cas, un certain respect mutuel s'est développé entre les deux personnes. Et il a décidé, en tout cas pour un temps limité, de l'accompagner et de faire valoir la justice de l'Empereur partout où elle devait être mise en place. Et c'est à peu près à ce moment-là, suite à une petite escarmouche, que ce petit groupe a rencontré un elfe sylvain du nom d'Aeslorin, qui était bien bien loin de chez lui, et qui, sans trop donner on va dire de détails, a proposé d'accompagner le groupe. Et malheureusement, vous n'en savez pas plus. C'est quelqu'un d'assez secret, d'assez discret. Très pratique pour les missions que vous avez accomplies jusqu'à maintenant, mais comment faire confiance à quelqu'un qui n'a pas de but clairement défini? Ça va pour tout le monde pour l'instant? Ok, ouais, ça va. Oui. Parfait. Bien. Bon, j'ai tué personne encore, mais parfait. Enfin, j'ai il n'y a pas de sorcière pour l'instant, du coup, ça va. J'ai posé de questions à personne. Excusez-moi, je me reprends. Donc, suivant une piste qui l'a fait partir de Waldorf jusqu'à Ubersreck, Ormen donc vous a amené donc, jusqu'à la ville fortifiée d'Ubersreck pour y mener une enquête un peu particulière, puisqu'elle consiste à trouver un brigand du nom du Baron. D'accord. C'est ok pour tout le monde ? Okay, oui. Okay. Ça fait maintenant une petite semaine que vous êtes en ville. Bien entendu, Aeslorin prend garde à bien cacher son visage et ses oreilles à absolument tout le monde, puisque clairement, les elfes sylvains ou même les hauts-elfes ne sont pas très communs à Ubersreich. Peine raciale toujours. Et au mieux, effectivement, il aurait que de la suspicion à son égard. Donc, ouais, il vaut mieux pas qu'il dévoile son visage. Ah oui, d'ailleurs, petite parenthèse pour une question sur le chat. Oui. Par rapport au fait qu'il n'y ait pas de nain, mais oui, on a choisi nous-mêmes les races de nos personnages ce coup-ci. Oui. Et d'un commun accord, on a décidé d'avoir le minimum de personnages autres qu'humains, vu qu'ils sont de base assez rares dans Warhammer, c'est ça ? Tout à fait. Surtout les elfes. Les nains, il y en a un petit peu plus. Enfin, avec les humains, j'entends. Vite fait. Et voilà, on voulait essayer de garder un équilibre à peu près réaliste sur la composition du groupe. Baka avait dit ouais, un nain, un elfe maximum. Voilà, exactement. Un chaque maximum et le reste que des humains. Alors, une seconde, parce que mon écran s'est éteint magiquement. Ah, moi aussi, j'ai ça en ce moment. Ah bah, d'abord Discord, maintenant l'écran. J'ai mon écran secondaire qui s'éteint, qui se rallume de temps en temps. Est-ce qu'il va se passer la prochaine fois que tu tournes la tête, il y a le PC qui disparaît ? Oh putain, j'espère que non. J'ai pas les moyens de le remplacer. Donc, du coup, vous avez passé donc une semaine à Ubersreich. Vous avez pu, on va dire, prendre un peu le pouls de la ville. Vous avez pu apercevoir effectivement un peu à quoi ressemblait la ville. Oui, oui, show to everyone. Oh, il y a de l'ambiance. Voilà, petite ambiance. Hein. Sympa.
Pour l'instant, tout ce que vous avez pu en tirer, c'est que la ville est effectivement très animée, mais à la fois aussi très calme. Vous avez pu aussi voir le fameux pont construit par les nains qui surmonte donc la Teufel. Ah oui, alors je le montre à tout le monde, mais pas à vous, c'est magnifique. Voilà. Okay. Ah, ok. Donc vous pouvez voir que en dessous du pont, on reconnaît l'architecture naine. Hein. Ils ont en plus rajouté un peu partout sur le pont et sur les murailles des runes de solidité. Donc c'est certainement une des places fortifiées les plus résistantes de l'Empire. Ils auraient pu rajouter une rune de solidité à la petite bicoque à droite. Hein. Ah bah ça... Franchement. Ah mais, alors voilà, c'est un peu l'architecture hein, de l'Empire. Hein, c'est des maisons qui se montent les unes sur les autres, des trucs pas droits. Habituez-vous à ça, parce que c'est comme ça. Ça penche, mais ça tient. Ça penche, mais ça tient, et ça c'est beau. Vous pouvez aussi voir qu'en dessous du pont se trouvent plusieurs maisons. Même plusieurs empilements de maisons. C'est typiquement un lieu où se réunissent les criminels et de temps en temps, régulièrement, la milice d'Aldorf vient et vide un peu les lieux pour des raisons sanitaires, tout simplement. Ben en gros, voilà. Donc la loi n'a pas vraiment cours en dehors de ces moments-là, donc sous le pont. Alors, j'aurais une petite question. Oui. Du coup, plus ou moins directement adressé à Ormen. Mmh. Bon, je suis sous sa surveillance, hein, donc. J'ai été capturé par lui. Mais du coup, quelle latitude me laisse-t-il au niveau de mes déplacements? Est-ce que je dois toujours rester sous sa surveillance? Ou est-ce que je peux me déplacer librement dans la ville pour essayer de collecter des informations? Faites-vous plaisir, là c'est entre vous. Okay, bah moi je pars du principe que t'as plus ou moins compris ce qui t'attendrait si jamais tu respectais pas le deal, qui était de soit mourir si tu me suivais pas. et que tu sais que je t'ai trouvé une première fois et que tu n'es pas très difficile à trouver. Et... Donc tu es libre de faire ce que tu veux. Par contre, si jamais tu m'échappes ou si jamais je sais que tu fais une entourloupe ou quoi que ce soit, je vais te retrouver et là pour le coup, tu auras le choix entre mourir ou être mort. Très bien. Ça donne l'ambiance quoi. Mais pour le moment, d'après ce que j'ai vu de ces dernières semaines, il n'y a pas eu d'entourloupe de ta part et donc pour le moment, je te fais confiance dans la mesure. Dans ma mesure du raisonnable, on va dire. Ok. Tu préfères mourir ou que je te tue? Effectivement. C'est dans ces eaux-là. Ouais. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser sur la semaine que vous avez déjà passée à Uberstreak? Il n'y a pas eu donc de résultats fructueux concernant les recherches du mec que l'on doit retrouver. Eh bien, il s'avère que si. Disons que ça s'améliore. Cette fois-ci, vous êtes le point jaune, parce que en fait, je trouvais que bleu sur bleu, c'était un peu dégueulasse. Le point jaune, ok. Donc, vous êtes dans le quartier qu'on appelle Théodbrook. Vas-y. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais je m'en fous. Au pire, il y aura des gens plus culturés que toi YouTube qui viendront te dire en commentaire comment prononcer correctement les noms. On est déjà venu me donner des conseils en prononciation déjà. Alors je fais des efforts, hein, je vous assure. Ouais. Mais voilà. Mais c'est très bien dans sa quête d'être le meilleur MJ de tous les temps. Bacadéville est très curieux de savoir comment se prononcent tous les pires noms allemands de Warhammer. Tout à fait. En sachant que j'ai fait espagnol LV2. Hein, donc, l'allemand. Voilà. T'as fait allemand LV1, c'est bon. Ah non, non, j'ai fait anglais LV1. Oh là là. Je pensais avoir un avenir. Si seulement c'était des mangeurs de tapas dans Warhammer.
Alors il faudrait aller en Tilé pour ça, donc c'est... Et puis en plus c'est plus italien qu'espagnol, enfin c'est chiant. Donc, vous êtes effectivement le point jaune, je vous présente vite fait les quartiers. Donc le Dawiyafen, c'est le quartier nain, puisque certains nains sont venus s'installer plus ou moins parce que bah, y a du travail ici. Ah oui, c'est Estali, je confonds toujours. Donc voilà, donc c'est un quartier où il y a à peu près 1000 nains au total. Voilà, c'est un quartier qui est assez différent de tout le reste en termes d'architecture ou même d'ordre public. Hein, c'est vraiment très différent. Marktplatz, c'est la place du marché, hein, tout simplement. D'accord. Avec en son centre une statue de Magnus le Pieux. Qui trône et qui fait face donc au magnifique pont des nains. Voilà, donc c'est un endroit où il y a beaucoup de marchés, de trucs comme ça. Si on veut faire des achats, c'est par là. Le quartier marchand, c'est le quartier où s'installent les marchands en général. Voilà, le Morgenseit, ou appelé la colline en français, c'est le quartier Bourges. C'est une colline qui est effectivement un peu plus surélevée par rapport au reste de la ville, où on peut y trouver un jardin de mort, donc un cimetière, et où les petites villas laissent petit à petit place aux demeures un peu plus imposantes et aux manoirs. C'est là que se réunit la noblesse de la ville. Le quartier des artisans, c'est à cet endroit-là que se réunissent la plupart des guildes des artisans, certainement un des pouvoirs les plus importants dans la ville de Überstreich. Merde, je me souviens plus comment on dit en français, c'est génial. L'enceinte, je crois. L'enceinte, donc the precinct. L'enceinte, c'est l'endroit où se trouve, on va dire, tout ce qui est. On va dire, pas tout, mais en grande partie militaire. C'est à cet endroit-là que ça se trouve. Black Rock, c'est là où s'est installé les dirigeants venus d'Aldorf pour diriger la ville. C'est la place forte la plus imprenable à peu près de l'Empire, à peu de choses près. Ah ouais. Voilà. Bien entendu, le public n'est pas accepté. Mais tout le monde peut avoir une magnifique vue du château depuis à peu près n'importe quel quartier de la ville. Et enfin, donc, les Teutbrook, qui sont les docks, tout simplement, qui longent la Teufel, et qui est plus ou moins là où vous traînez en ce moment, parce que c'est dire, un peu dans ces endroits-là que se passent, on va dire, les deals les moins légaux de la ville. D'accord. Voilà, voilà, voilà. Donc... Dans mon élément. Dans ton... Exactement. Toi, tu connais parfaitement le coin. Tu sais à qui il faut parler. Nous, on n'est pas très à l'aise. Bah du coup, oui. J'ai peut-être déjà été amené à me balader dans les environs. Est-ce que je peux d'ores et déjà utiliser un jet de carac quelconque, genre connaissance Reckland ou un truc comme ça, pour voir si... je sais immédiatement vers où me diriger pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Eh bien, après une semaine d'enquête, tu as déjà trouvé un endroit qui était digne d'intérêt. Alors, malheureusement, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de tes contacts, mais quelqu'un que, si tu arrives à le reconnaître, enfin, en tout cas, à le connaître, tu pourras au moins avoir un indice sur... où se déroulent les affaires du baron. Le baron qui est bien entendu un titre usurpé, hein, plus ou moins. Ce n'est pas un vrai baron. Hein. Autoproclamé, ouais, voilà. De toute façon. Ouais, okay, ouais. Qui n'existe pas. Quoi. Ouais, c'est un nom quoi, qu'il a. Quoi. C'est comme un parrain de la mafia. Ouais. Exactement. Ouais, ouais, c'est pas un baron noble, en fait. Ça peut être un baron, mais... Ouais. Le baron est apparu dans le sillage des gardes d'Aldorf. Donc beaucoup mettent la possibilité que ce soit un ressortissant d'Aldorf qui a eu on va dire le nez creux et qui a réussi à monter sa petite affaire de manière fulgurante. Les barons. Donc oui.
Bien entendu, la mission de Hormen ne consiste pas à arrêter le baron. Ça, c'est l'affaire de la garde, c'est pas trop son délire. Mais ce qui l'inquiète, c'est les rumeurs de liens entre le baron et un culte des dieux de la ruine. Oula, tu nous en dire plus les... Alors, les dieux de la ruine, c'est les fameux dieux du chaos. ils ont nombre de quatre. Korn, le dieu du sang. Tsench, le dieu du changement. Slaanesh, le dieu du cul. C'est presque ça. C'est presque ça. Et Nurgle, le dieu de la peste. Qui sont donc, c'est-à-dire quatre puissances. Qui sont au même niveau que les dieux classiques, sauf que leur culte est bien entendu interdit et que leur corruption a des effets très visibles pour la plupart d'entre eux, que ce soit la maladie pour Nurgle ou carrément des mutations pour les suivants de Tsench. Donc voilà. Tu du cul. voilà, donc Slaanesh, c'est... C'est le plaisir, la douleur, voilà, le sang mélangé un peu, quoi. C'est le... Les arts aussi, même si on n'en parle pas trop, mais la musique, etc., ça en fait partie. Mais... C'est le dieu esthète, c'est... Voilà, c'est... En gros, tout ça, en fait, représente, en fait, les... On va dire quatre trucs qui ne sont pas bien pour n'importe quel empire ou n'importe quelle nation. C'est-à-dire, le fait qu'on soit en train de faire la fête, picoler, tout ça, machin. Enfin, le plaisir avant le travail, c'est pas bien. La violence aveugle, c'est pas bien, puisque c'est con. Le changement, c'est pas bien, parce que ça revient à remettre en question le pouvoir établi. Et bien entendu, la maladie, c'est pas bien, parce que c'est certainement le truc le plus difficile contre lequel se battre quand tout le monde chie dans la rue. donc. Alors que c'est le dieu le plus sympa des quatre, en vrai. Qu'on appelle grand-père Nurgle. Oui. Merci pour cet exemple, là-bas, qu'il y a des villes. Donc, en parlant de chier dans la rue, Uberstreck dispose quand même d'un système d'égout qui, loin d'être révolutionnaire, a le mérite d'être au moins efficace et existant. Ce qui n'est pas le cas de toutes les villes de l'Empire. C'est déjà ça, oui. Bien. Toujours pour en revenir donc à Kaja, qui a entendu dire que certaines personnes se rencontraient régulièrement à la taverne qu'on appelle le marteau tordu. Ok, très bien. Donc okay. Voici hop là, l'enseigne. Ah ouais. Ok. L'outil de bricolage le moins pratique du monde. C'est à l'origine, effectivement, une taverne de la guilde des constructeurs et des charpentiers. Mais tu sais, de source sûre, que c'est aussi une taverne qui sert de devanture à un culte de Ranald. Ranald, qui est un dieu... On va dire que c'est toléré, hein, à certains endroits c'est toléré en tout cas, c'est le dieu de la chance et des voleurs en général. Et généralement, ces lieux de culte, ça revient à dire en fait que c'est des endroits où on y joue de l'argent avec des cartes ou des jetons ou des trucs comme ça, ou des dés, etc. Bref, c'est une sorte de casino clandestin. Voilà, casino clandestin, exactement. Le plus vénère, c'est le dieu du sang. Oh, Korn. Non, mais Korn, il est sympa. Faut d'un, juste pas marcher sur son pied, quoi. D'un point de vue purement caricatural, ouais, je pense que c'est le plus vénère. Hein. Ah oui, non, littéralement. Mais oui, mais de toute façon, c'est... Alors qu'en vrai, il branle rien. C'est ça, le pire. Mais il a pas besoin, parce qu'en fait, tout le monde... Rien. Oui, tout le monde fait pour lui, quoi. Voilà, c'est... Tu fais la guerre, tu tues des gens en son nom, voilà, il a rien à faire. Voilà, ça, c'est fait. De toute façon, du moment que quelqu'un est en colère ou que quelqu'un tue ou que quelqu'un se bat, c'est voilà,
Il a gagné. Il attend, il y a du sang qui coule, des crânes, et il fait un trône avec des crânes, et il est content, il s'assoit dessus. Après, c'est en une pratique, bonne journée. Après, en pratique, voilà, il régulièrement, il apporte sa bénédiction aux armées de la Nordska, donc qui vont régulièrement déferler sur les côtes de l'Empire pour piller, ravager, tuer, enfin, la base, quoi. Donc, vous êtes hop là, au marteau tordu. Hop là. Ok. Et on va mettre une petite musique de taverne, parce que pourquoi ne pas se faire plaisir. Voilà. Attention. Parfait. Alors, moi, voyons voir où est-ce que... Ok. Donc la carte n'est pas très très grande, vous devriez vous retrouver assez facilement. Mais oui, c'est bon. On voit. La musique s'appelle The Taverne. Parfait. Oui, bah, tu sais, on va pas révolutionner le genre non plus. Hein. Non. bien, vous arrivez dans la taverne. Comment vous amenez dans la taverne? Est-ce que vous y allez en mode ah, c'est moi la loi? Ou ah, tiens, on est des gens qui viennent juste consommer comme tout le monde? Je suis pas trop à l'aise, hein, personne. Je pense que je les ai. Depuis une semaine, j'ai déjà bien assez briefé sur le fait de se montrer. Je pense que ouais, il vaut mieux y aller. Pour ne pas trop éveiller les soupçons, voilà. Les embrouilles, etc. Il vaut mieux y aller, on va dire normalement. Voilà, on va pas dire. On vient. Ouais, voilà. Entre guillemets, on vient faire chier. On y va normalement. On y va à quel moment? Et ouais, on va pas surtout éveiller les soupçons. C'est surtout ça. Et se faire remarquer. Moi, je dirais plus, en tout cas, d'y aller comme ça. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Ouais, de base, voilà. Ouais. Un elfe sylvain... Bon. Ouais, toi, forcément, oui. Toi, oui, toi, de toute façon, t'as ta capuche. Pas, oui. T'as ta capuche. Si on crache pas dessus, déjà... Enlève ta capuche. Ah. Les cheveux blancs, quoi. Ouais. Un vieux. Bien sûr. Donc ouais, je pense qu'on va y aller comme ça. Okay. Alors par contre, du coup, ouais, Kedja, vu que c'est quand même des endroits où elle a l'habitude de se trouver, en ce qu'elle entre et elle se balade dedans de façon un peu désinvolte, hein, par exemple. Ah oui, t'es clairement genre, dans ton élément, voilà, là. C'est comme à la maison. Ah, et nous, limite, on va... Ouais, je sais pas, on s'assoit à une table, et puis on... Ouais, on voilà, celle-là. Allez, hop. Allez, hein. Allez, ramenez-vous, faites pas les timides. À notre guise. Donc il y a de l'ambiance hein, dans ces boîtes jaunes, je dirais. Non, il y a de l'ambiance dans la taverne. Hein, vous entendez beaucoup de personnes en train de rire, de boire, de cogner les chopes contre les tables, de manger. Une serveuse vient vous voir et vient vous demander ce que vous voulez boire ou manger, ou les deux. On va commencer par un petit apéro. Une chope de bière, s'il vous plaît. Ok, une bière. La même chose. Deux bières. La spécialité de la maison. À manger ou à boire? À boire. Oh, tu vis dangereusement, toi. Ok. Je peux pas dire que ça me déplaît. Oh là là, ça m'a pécho de suite. Bah, disons que si je meurs rapidement, elle a son plan de vie qui bah, c'est est surtout ça, ouais, grand moins amélioré. Ses compagnies, elle va se barrer. Mais t'inquiète, je vais la surveiller aussi. Hein. Cool. Alors, excusez-moi. J'ai écrit une connerie. Donc... C'est pas facile de suivre en même temps qu'on écrit des conneries. Non, j'avoue. Donc, il manque une commande. Allez, Slorin, excuse-moi, tu t'as dit que tu prenais quelque chose? Oui, j'ai dit la même, c'est-à-dire une bière en fait. Ok, hein. D'accord. Donc, elle s'en va et revient avec 4 bières. Donc, elle vous pose directement devant le pif. Et tend la main en vous réclamant deux pièces, non pas deux pièces, je dis de la merde, deux sous de cuivre chacun. Je paye. Bah je paye aussi. Hein.
Allez. Sans insister outre mesure. Voilà. Bah pareil, moi aussi. Je fais un merci juste de la tête. J'essaie de me faire remarquer vraiment le moins possible, quoi. Genre, l'elfe timide. Ok, ah, bah... Moi, je le remercie pour l'avoir apporté. Ouais. Et je prends pour Kaja aussi. Ah, très bien. Merci, Herman, parce que bon, depuis ces quelques semaines, là, qu'on est ensemble... Bon, j'ai forcément été un peu limité dans mes déplacements, donc je suis un peu juste financièrement ces derniers temps. Oui, ça, je sais bien que toute rentrée d'argent n'est pas simple. Bon, du moins, celle que c'est dont je suis au courant. Donc oui, vous pouvez remarquer que la serveuse s'intéresse très peu à vous. Même quand elle vous, enfin, elle vous sert, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte le fait que... qui est une personne qui porte une capuche à la table, c'est... Ok. Ni même le symbole religieux, certainement très voyant, sur Argonora, donc c'est... Elle n'est pas anti-capuche, déjà, c'est bien. Oui, bon, ouais, elle s'en fout, et puis bon, tu peux voir autour de toi que, bon, déjà, t'es pas le seul à porter des capuches, et puis ensuite, elle a déjà suffisamment de travail, quoi, elle va pas s'occuper en plus de chaque client, quoi. Ouais, ok. En parlant de gens autour de nous, moi je. Eh ben je rate. Mais j'essaie d'observer discrètement. Tu essaies d'observer discrètement. J'ai un œil, quoi. Genre, je dévisage pas les clients, mais j'essaie de voir un peu à qui on a affaire niveau clientèle. Bah justement, parmi ceux qu'on a affaire, j'avais eu des informations sur quelqu'un qui pourrait nous renseigner ici. Alors, je vais te dire ce que tu sais sur l'endroit déjà. Mmh. Alors, tu sais déjà que le propriétaire du bar s'appelle Gert Under. Que c'est quelqu'un qui a de nombreuses cicatrices et qui, on va dire, a fait carrière dans l'armée il y a déjà pas mal de temps. C'est quelqu'un d'assez imposant et d'assez effrayant, donc en général ça suffit pour garder le calme à l'intérieur de sa taverne. Ouais, faut pas trop le faire chier, je pense. Hein. J'avoue. tu sais qu'il a embauché. tu sais qu'il a embauché donc cette femme, alors Sylvie Creutzarn. Désolé encore. Tu peux redire, s'il te plaît, j'ai mal entendu. Voilà, Sylvie, donc... Sylvie, ça marche. Hein. Qui s'occupe de la cuisine, qui est, on va dire, plutôt réputée dans le coin. Donc, hein, c'est, vous n'êtes pas dans la pire auberge du Berserk, quoi. Bah, surtout que c'est pas difficile à trouver. Par contre, ce que toi, tu sais... et je sais pas si tu le dis aux autres, mais c'est à toi de voir. Tu sais que Sylvie aussi est plus ou moins la chef du culte de Ranald dans cette auberge. Oh. Oh, je vais le garder pour moi. Ok. Pour l'instant, en tout cas. Alors, Ranald, c'est quel dieu déjà ? Alors, c'est le dieu de la chance et des voleurs. La chance et des voleurs. Ok, d'accord. Ok. Voilà, je résume, hein, dans l'idée, c'est ça. C'est quand tu fais des jets de compétences. C'est en toute façon du moment que tu vois quand tu lances les dés puis que tu croises les doigts très très fort pour avoir un bon jet, et ben Ranel, ouais, c'est celui qui en a rien à foutre. Et en gros qui va rigoler quand, si jamais tu fais un fanboy. Son nom c'est Scar, quoi, qui son Scar de qui, quoi, je sais pas. Je sais pas. Ouais, je loupe les trucs. Rex, il a 5 minutes de retard et il vient de voir le dirigeant. Aussi, ouais, je pense, ouais, il vient de voir le propriétaire, peut-être. Peut-être, peut-être. Donc. Sinon, ouais, le propriétaire, donc c'est bien Gert, c'est ça. Gert, je sais plus quoi. Heureusement qu'on a un anglais avec les PNJ. Parce que... Gert Under, voilà. Under. En plus, on a les anciens, on a les PNJ du tout shot en plus, ça veut dire. Je dis Under, mais Under, pardon. Il y a des PNJ du tout shot, où ça ? Ouais, y a dans les PNJ, il y a tous les PNJ. Ah oui, non, oui, je les ai mis dans Graveyard. J'ai mon Ernest, ouais, qui est en Graveyard. Oui, Graveyard, putain. Ah ouais. Du génie, on peut faire moins, j'ai jamais fait gaffe.
Yes. Bah oui, j'ai rangé parce que je sais pas, j'aurais pu les effacer en vrai. Je me serais bien perdu. Non, c'est bien. Non, mais. Ouais. On a un souvenir. Cool. Puis, peut-être qu'il y en a qui sont pas morts qu'on peut utiliser. Hein. C'est vrai. Peut-être. Ah, ce serait stylé en vrai. Et tu retrouves nous. En mort vivant. Au précédent perso. Chou. C'est en mort vivant, ouais. Et Ernest. Oh bah j'ai une lance à travers du torse, mais tout va bien. Il y en a un qui s'appelle Manfred, hein. Je dis ça, je dis rien, on sait jamais. Hein. Effectivement. Peut-être que c'est pas soin. Commencez pas à vouloir développer le bac à Cinematic Universe alors qu'on a pas fait. Bien, je me rends compte que j'ai oublié de mettre des bancs pour une des tables. Pardonnez. On fera comme si, c'est pas grave, t'inquiète. On voit rien. Donc, vous pouvez voir effectivement plusieurs autres personnes. Alors, Kaja reconnaît cet homme-là, donc en haut à droite. C'est lui. Hop là. Donc, Raymond Hootman, qui est... Enfin, tu sais qu'il est là pour faire les gros bras. Ça se voit avec deux haches. Pour servir les bières, quoi. Il a toujours. Bah, déjà, il a les deux mains occupées, de toute façon. Voilà. Il a toujours. Voilà, il est assis sur une chaise, hein. Il se tient pas exactement comme ça. il a toujours éludé toutes les questions concernant ses éventuelles origines. Parce qu'il est pas évident qu'il n'est pas du coin. Ouais. Mais normalement, il s'est très bien intégré dans la région et maintenant c'est un membre à part entière du Bass Rake et du Marteau Tordu. Alors, je sais pas si vous le voyez là. Attends. Ouais, non, vous le voyez pas donc je vous le montre pas. Remarque. Non, vous le voyez pas. Il est dans un angle mort pour l'instant, c'est pas très grave. Tu aperçois quelqu'un qui est, pareil, assez connu dans le quartier. Hop là, Vivien Fralon, un Bretonien qui a eu domicile à Uber Strike depuis maintenant quelques années. Joueur invétéré, sa présence ici ne t'étonne absolument pas. Qui est-ce que tu peux aussi... Ah oui. Est-ce que Vivien, je l'ai déjà rencontré par le passé ? Oui, oui, sûrement, oui. Attends, laisse-moi lancer un dé. Au pif. Oui, c'est bon. Toute façon, c'est quelqu'un de pas particulièrement discret. Et enfin, donc, la personne à côté de Vivien, alors qui est à côté, mais qui ne discute pas avec lui, a priori, se nomme Leonard Hasselberger. Wow. Et c'est un membre de guilde très réputé qui a tendance à venir régulièrement ici. Et encore une fois, tu sais pourquoi, parce que son petit péché mignon, c'est les dés. Je crois que ça va être l'alcool, je suis déçu. Il y a tellement d'autres endroits pour boire et qui est nettement mieux que ça. Il y a par exemple l'auberge de la Lune Rouge, hein, très réputé sur les docks aussi. Même si c'est plus un endroit de docker, ça reste que dans l'ensemble, c'est un peu mieux. Un peu mieux. Là, disons que, étant donné que c'est assez ouvert à tous, c'est même parfois un peu mal fréquenté. Bon, on passe plus inaperçu ici. Exactement. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est la personne, tu vois, là, tout en bas à gauche ? Alors, les fameux PNJ qui ont des artworks, c'est comme dans les vrais RPG. Ouais. Ça m'intrigue un peu, enfin je sais pas si on peut savoir. Alors, tu peux savoir, puisque vous regardez dans sa direction, puisque c'est une des personnes, contrairement à ce qu'on peut voir sur le token, qui porte une capuche et qui dissimule presque aussi bien son visage, non, même mieux son visage que votre elfe de... Tu devrais lui demander conseil. Si tu dis deux compagnies, je suis tout le monde. j'allais dire elfe de maison, mais... je suis tout le monde, pareil. Tu pareil, hein, ça me paraît logique. j'ai hésité. bien, que faites-vous ?
Eh bien, je pense que je vais vider assez rapidement ma chopine. Ok. Et tu vas pouvoir me faire un jet de encaisser l'alcool, je sais plus comment ça s'appelle. Meilleure compétence du jeu. Je vais boire tranquille, je sais que je suis pas très endurant perso, mais. Avec un modifier ou. Non, tranquille. Ouf. On fait tous. C'est parti pour tituber. Ben, Ormen, je pense que t'es d'accord avec moi, on va boire doucement. On va pas, c'est pas le moment qu'on se. En fait, moi, je vais pas boire. Tu vas pas boire, toi ? Non, en fait, le problème, c'est que je sais très bien qu'ici, c'est quand même une ville, ouais. Un quartier de voleurs. Ouais. Ou de personnes qui sont pas forcément. Qui ne te veulent pas que du bien. Ouais, c'est vrai, ouais. Et... Mais c'est vrai qu'on n'est pas très à l'aise, quoi, nous deux, enfin même nous trois, quoi. Moi, je suis un peu un voleur au final, mais bon, je suis pas à l'aise parce que c'est pas des elfes, quoi. Ouais, voilà. Et je suis pas dans la nature aussi. Donc, vous pouvez tous me faire un jet d'alcoolisme. Avec plus 20. Tu l'appelais comme ça. Ah, plus 20. Ah, on met un modifié plus 20. Ok. Ouais. Même si je bois pas. Alcoolisme. Ah non, si tu bois pas, tu bois pas. Tu fais pas le jet. Tu résistes contre l'alcool, le sang de la veille. La peur de l'alcool. Merde. Ok. Bien. Si je rajoute plus 20, ouais, c'est pas. Je suis à moins 1. Enfin, non, en fait, t'es à moins 0. Moins 0, ouais. T'es coupé à l'eau. C'est pour ça. Non, ça n'a pas été coupé à l'eau, c'est parce que vous buvez, voilà, vous buvez doucement. On est venu à chier pour boire. Oui, on boit doucement, enfin, ouais, je ne vais pas faire plus sec, allez hop. Vous sentez un peu l'alcool vous monter à la tête, mais c'est complètement gérable. Pour Kaja, c'est pareil, t'as largement plus picolé que ça dans ta vie. Et t'es quand même assez habitué à l'alcool du coin, donc. Ouais, ça va. Est-ce qu'on part... Oui. Pareil, est-ce qu'on part du principe que je suis déjà venu dans cette auberge spécifique ? T'es déjà venu dans cette auberge spécifiquement, oui. Ok. Et ben alors, une fois le verre terminé, je le pose de façon assez bruyante sur la table. Mm-hmm. Et je fais, bon allez, il est temps de s'amuser un petit peu. Et là, je pars en position, bon, on va dire, faire des petits droite-gauche, hein. Ok. Me poser au bar. Ben, en vrai, ça va, tu titubes pas trop pour l'instant, t'es juste légèrement désinhibé. Non, voilà, c'est les petits droits de gauche, c'est plus, tu sais, des petits pas sautillants. Ah oui, ah bah pour le coup, oui. Là, t'es bien. Voilà. Donc, je vais aller voir Gert. Gert, ok, ouais. Que je vais remontrer, hop là. Parce qu'il a quand même beaucoup de charisme. C'est vrai. Après, il est stylé. Je vais mettre ça là. On va voir. Oh, quel charisme. Donc, donc il est en train de fumer sa petite clope tout en nettoyant une chope comme n'importe quel tavernier de tous les jeux de rôle du monde. Évidemment. Et c'est là qu'on est censé nous. C'est là qu'on est censé nous raconter, lui raconter notre passé trouble. C'est ça. Pas nettoyer. Et clique sur sa tête, il y a un point d'exclamation. Tu connais de réputation, hein, que c'est pas le genre de barman qui écoute les gens se plaindre, hein. C'est le genre de barman qui, malgré le fait qu'il ait des gros bras pour faire la loi dans son truc, c'est souvent lui qui prend les mecs et qui les balance dehors. Ah. Oh, bah de toute façon, je me suis toujours plus ou moins bien tenu dans sa. Tout à fait. Il a la réputation d'avoir foutu un ogre dehors à lui tout seul. Waouh! Un petit ogre, mais un ogre. C'est pas du tout du mytho. À vrai dire, c'est difficile à savoir. C'est certainement du mytho, connaissant les ogres. Mais disons que la légende ne vient pas de nulle part. Donc, bon, c'est quelqu'un d'assez grand lui-même, d'ailleurs. Kaja, qu'est-ce que tu veux cette fois-ci ? Ah, ma Gert. La bibine ici, elle tape toujours bien fort, ça fait plaisir. Et tu sais aussi que ce qui me fait encore plus plaisir, hein, c'est de m'amuser un peu. Ouais. C'est les petits jeux de ton bar, et puis en plus je vois qu'aujourd'hui
T'as de bons clients pour ça. Ouais, je sais pas. M'en fous. C'est un pistolet le jeton pour rentrer. Ah. Eh ben très bien. Allez. Et tu passeras le bonjour à Sylvie. Ouais. Si je la croise. Donc tu lui donnes un pistolet ? Oui. Ok. Il prend le pistolet et il te t'envoie une sorte de jeton dans les mains. Donc c'est un peu comme un sou de cuivre avec un métal beaucoup moins précieux et qui représente effectivement le fameux symbole de Ranelle, c'est-à-dire la main avec les deux doigts croisés. Et il t'invite à prendre le chemin, donc cette porte-là pour rentrer, si tu préfères. Ok. Est-ce que je peux le suivre ? Enfin, je peux ouais, on va le suivre avec Romain. Hein. C'est ce que je me disais aussi. Je me disais, il est plus dans notre champ de vision, donc il vaut mieux qu'on le suive. Hein. Est-ce que, je sais pas si c'est une bonne idée de tous y aller, mais... Qui va toi ? Ce serait bien, ouais. Bah, au moins toi, puisque t'es quand même responsable, quoi. Bah vas-y, suis-le alors. Nous. Enfin, je suis responsable. Elle est responsable de son propre sort en réalité. Oui, voilà. Mais je veux dire, t'es chargé de la surveiller, quoi. Donc. C'est ça, voilà. En vérité, je lui fais quand même relativement confiance. Parce qu'elle sait ce qui est en jeu. Mais après, il vaut mieux quand même, parce qu'on sait jamais. Ouais, là, elle est dans son élément, quoi. Bien sûr. Il y a un peu des gens qui peuvent essayer de l'aider et tout, donc. Ah, vas-y, Ormène, suis-le. Ok. Donc je passe devant. Tu te diriges vers cette porte là, ouais. C'est ça, ouais. Je passe devant, comment il s'appelle. Alors, tu vois alors que tu t'approches de la porte que cet homme se lève de sa chaise et te fait non de la tête sans autre bruit que le bruit de lui qui se lève et qui fait à peu près 2 mètres, la vache. Alors, est-ce que j'ai entendu la conversation ou pas? Est-ce que j'ai vu ce qui s'est passé, un truc à déjà et... Trop loin pour entendre la conversation, malheureusement. Ok, mais j'ai vu ce qui s'est passé. T'as vu que Kaja avait parlé avec le barman et qu'ensuite elle était passée par là. Est-ce qu'elle a utilisé un mot de passe de voleur pour passer par là? Est-ce que j'ai vu qu'elle a donné des pistoles ou pas? J'étais dos à toi là. La transaction s'est faite. Enfin, t'as vu qu'elle donnait quelque chose, mais tu sais pas quoi. Ton style vestimentaire est pas assez décontracté pour entrer, je pense. C'est vrai là. La prochaine fois, viens en basket. Hein. Ok, donc je vais pas me frotter à ce monsieur à qui j'ai pas été présenté. Je vais me rapprocher de Gert, c'est ça ? C'est Gert, c'est ça, le barman, Gert. Pas de problème. Le propriétaire du marteau tordu, mais oui. Kaja nous avait présenté, quand on était autour de la table, nous avait quand même dit qui étaient les gens autour de nous. Tout à fait, oui. Ok. Je me rapproche de lui si j'arrive à me déplacer. Hop là, attends, hop, je m'en occupe. Hop, je te mets sur le bar, parce que pas de respect. Sur la chaise, c'est très bien. Et je lui demande ce qui se passe dans la pièce derrière moi. Ça vous regarde pas. Et comment on peut entrer dans cette pièce? Comment je peux en faire mes affaires? Je vous connais pas et je laisse pas rentrer les gens que je connais pas. Je connais bien Kaja. Tout le monde connaît bien Kaja, c'est pas... Oui, ouais, pourtant, vu rentrer avec elle. Tant que je réfléchisse. Voyons voir. On va faire un jet, parce qu'après tout, c'est possible. Moi, je pense qu'il s'en bat les couilles. Hein. Oula, attends, le jet du battage de couilles est total. Hein. Il s'en bat les couilles comme jamais. Par la vache, attends, ce résultat. Ah, il s'en bat les couilles. Moi, ça me regarde pas. La prochaine fois, vous lui demanderez si elle peut vous présenter avant de rentrer. Faire ses petites affaires. Et pourtant, elle m'a tout dit de vos espoirs sur cet ogre. C'est des rumeurs, tout ça.
Mais ça veut pas dire que je serais pas capable de vous botter le cul hors d'ici. Ah, ça, je vous fais bien confiance, je ne cherche aucun souci. Justement, on m'avait recommandé votre taverne pour vos exploits. Et auriez-vous l'exploit de me laisser entrer dans cette salle? Tentons. C'était débile, mais tentons. Non, non, c'est... Ouais, elle est bien il faut tenter. C'est comme ça que ça marche dans le jeu de rôle. De toute façon, si tu tentes pas, tu sauras jamais. C'est ça, voilà. Bon, je vous le dis une dernière fois. Soit vous foutez le camp, soit je vous aide à foutre le camp. C'est clair. Très bien. Tu sors où je te sors. C'est ça. Ça m'appelle. Tu sors où je te sors. C'est très bien. Je comprends. Je vais prendre une bière ici s'il vous plaît. C'est 2 sous. Très bien. Et du coup, je reste ici tout en restant près de la porte au cas où. Ouais, tu regardes derrière toi, quoi. Enfin, tu regardes en direction de la porte. Ok, alors, une seconde. C'est les gens qui disent que t'es cassé. Ouais, parce que, a priori... Parce que là, pendant quelques secondes, j'étais à 0... 0 KB par seconde. Ah merde, oups. Mais ça m'a pas déconnecté, alors du coup, je... C'est une micro-coupure, sûrement. Ouais, c'est revenu. Ouais, c'est revenu apparemment, c'est revenu. Ouais. Ok, ouais, parfait. C'est bon, c'est juste un petit drop. Oui, ça va, oui. C'était un bon gros drop de famille, voilà, désolé. Alors, on était à deux doigts de foutre la taverne en feu, de décapiter trois mecs. Un contre un mec, s'il faut, moi je le déglingue. C'est dommage, hein. Je déglingue sa gueule. Ah, tu le redéglingues, hein. Putain, oh, je le redéglingue. Ouais, parce que bon, là, il a déjà tué une personne pendant que vous étiez pas là, c'est. Ça marche pas sur la VOD YouTube, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a une coupure dans YouTube aussi, c'est pour ça. S'il te plaît, cher viewer YouTube, fais le viewer crédule. Voilà. Pour votre valeur. Merci. Dans les commentaires, mettez « Ah ouais, c'est vrai, c'était incroyable. » Ah ouais. Mais attends, c'était incroyable. C'était incroyable, effectivement. Vous mettez le timecode en commentaire et vous faites « Ah, je m'attendais jamais à ça à ce moment-là. » C'est meilleur bête, ça, ouais. Mais ils vont le faire, en plus. Ils vont le faire, je les connais. C'est une minute, vous surprendra. Bien. Kaja, vite fait. Yes. Alors, c'est comme ça. Donc toi, attends, je vais te remettre là. Ah bah non, mais c'était volontaire, je voulais me déplacer directement vers la table où il y avait le plus de participants. Alors oui, parce qu'en fait là, tu te mets à la table des mecs qui surveillent le coin. C'est juste les mecs qui surveillent. Bonjour, bonjour, je m'installe. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fout celle-là. Chez moi, je sais pas, j'ai vu des râteliers d'armes sur les deux premières tables et un jeu de cartes sur la troisième, donc ça, naturellement. Ah non, mais tout à fait. Hein. Donc tu vois que les gardes te regardent. En fait, c'est les gardes qui jouent, t'as pas compris. Enfin, ce que j'appelle les gardes, hein, c'est des mecs à l'air louche. Hein. On dépose les arbres sur la table. Là, pas de soucis. Tu déposes des armes? Oui. Lesquelles? Eh bien, du coup, normalement, je dois avoir... pas grand-chose sur moi, j'ai qu'une dague, en fait. Il va se faire plumer. Tu déposes ta dague? Ouais. Ok, donc tu poses ta dague. Voilà. Et du coup, je leur fais un... Enfin, je prends une petite pause et je fais un signe de la main avec l'index et le majeur levé pour la faire. Allez, merci les gars, à plus. Ok. Là, j'entre dans une des pièces. J'imagine que c'est là que... C'est ça, exactement. Hop là, ici. Et merci. Merci, Tolmir. Timecode, c'était incroyable, YouTube. Merci. Merci pour les 40 bits. C'est pas vrai. Donc, tu arrives dans une pièce où tu vois qu'il y a déjà des personnes qui jouent et on t'invite à t'installer et à jouer aux cartes avec eux. Ok. Un jeu de cartes, voilà, du Berserk avec des règles particulières que je ne prendrai pas le temps d'expliquer parce que bon, c'est pas super intéressant, je les connais pas. Donc, ce qui compte, c'est les valeurs.
toute façon, tout ce qui compte, c'est l'air, exactement. Tu vas faire un jet de dés, quoi, pour savoir si t'as réussi. Quoi. Tu vas me faire un jet de jeu, tout simplement. Bon, jet de jeu. Tu connais les règles ou pas, j'ai envie de te dire. Voilà. Je connais les règles plus 20. J'ai pas un score de ouf. Hein. Ouf, un bon fumble. Ok. Tu mises jusqu'à combien au total ? Rien. Bah, de toute façon, tu m'avais dit que c'était combien l'entrée déjà ? C'était un pistolet. Un pistolet, ouais. D'argent. D'argent, oui. Donc un pistolet d'argent, c'est 10 pistoles de cuivre. C'est ça. Ouais, donc en fait. Attends, je crois. On pourrait même pas rentrer, quoi. Parce que, attends, une couronne d'or, c'est 240 sous de cuivre. Alors. Rien n'est moins sûr. Ouais. Et bon, on s'en fout. Yes. Voilà. Pistolet d'argent, c'est 12, apparemment. Ah, c'est possible. Ouais, c'est 12. 12 sous de cuivre. Ah, bah merci. Parce que j'ai oublié de réviser ça, bien entendu, parce que je suis un génie. Ça se met à jour tout seul, de là. Ah, mais oui, en plus. Mais, putain, mais oui, oh là là. Non, je le savais. Ben oui, ben oui. Ça me paraissait évident. C'était pour voir si vous suiviez. Donc oui, tu mises jusqu'à combien ? Grand maximum, tu mets combien d'argent ? Ah bah, de toute façon, là, c'est... ça va faire un peu clodo, hein, mais je pouvais miser que pas plus de 8 sous de cuivre. Donc on va dire que j'en misais 5. Ok, bah t'as tout perdu. Évidemment. Est-ce que tu continues à jouer ? Bah, je vais continuer à jouer. En disant, ah, désolé les gars, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Puis, vous voyez, là, les affaires récentes n'ont pas été très fructueuses, donc je vais un petit peu me refaire ici. Ah et... bah, tu sens très content. Et j'ai entendu dire que, justement, si on voulait se refaire assez facilement dans les environs, il y avait un gars là qui monte là, le baron. Mais... oui, c'est le baron, c'est ça. C'est le baron, c'est bien oui, ça. Oui, c'est ça. Le baron, vous auriez pas un petit plan pour moi, comme ça on pourrait jouer beaucoup plus longtemps, vous et moi, vous ne croyez pas? Ouais, enfin, le baron, bon, déjà, a priori, ses sbires sont pas le bienvenu par ici. Puis surtout, c'est quelqu'un qui dérange dans le coin. En vrai, je serais de toi, je parlerais peut-être même un peu moins fort. Enfin, je te dis ça en tant que compagnon de table, hein, mais disons qu'ils sont pas en odeur de sainteté dans le coin. Oh, vous savez, moi je cherche pas vraiment les problèmes, je cherche juste de nouvelles méthodes de me faire de l'argent. Il faut jamais se fermer à de nouvelles perspectives dans le commerce. Ben, tu devrais bosser avec... l'autre guilde, du coup, plutôt que celle du baron. Note que quand il dit guilde, il fait des guillemets avec les doigts. Il suffit, pour ça, il suffit de prendre contact avec l'anguille. Il te dira où faire affaire. Alors, attention, hein, on parle de vraies affaires très juteuses. Hein. Donc, si les gardes te tombent dessus, personne te connaît. Enfin, oui, bah. T'as l'habitude. Oui, évidemment. Évidemment. Donc là, je vais remiser encore 2 sous de cuivre. Ok. On va retenter. Refaire un jet. Oui, ok. Bah, parfait. Boum. Et bah, tu récupères ce que t'as perdu. C'est très déjà bien. Pas mal. Donc, ça discute à l'extérieur de ces salles de jeu. Alors, Argonara et A.S. Lorine, qu'est-ce que vous faites ? J'ai une sorte de silence gêné. Hein. Ouais, toi déjà, tu vas faire Proviba. Moi aussi, c'est pas vraiment un endroit qui est... Je suis un peu mal à l'aise quoi, dans cet endroit, quoi, donc je sais pas si... Hein. J'hésite quand même à parler à quelqu'un, mais... Ouais, vas-y, pardon. Est-ce que les gens nous regardent précisément, ou est-ce qu'ils s'en foutent ?
Faites-moi un jet de perception, tous les deux. Ok. C'est où perception? Oh, en même temps, c'est l'elfe, je suis con. Bah, moi, je suis un tricheur. Ah ouais, bon, bah, toi, tu vois. Moins 4 et plus 4. Et attention, ouais. Je mets... très important. J'ai quand même un super talent. Ah oui. Je peux faire les Legolas que voient vos yeux d'elfe, ça marche. Ah oui, tout à fait. Merde. Donc... Ah. C'est vrai que... My bad. C'est très, très utile. Excusez-moi, j'ai cliqué sur le... J'ai cliqué sur le mauvais truc. En fait, il faut mettre mes yeux, tes oreilles... C'est ça. Mais en fait, c'est dans ça. Et on fait un beau combo, dans là. Dans un corps. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est trop bien. En parlant de corps... Ouais. Et voilà. Ah voilà. Bah ouais. Exactement. On met mes yeux et tes oreilles dans le corps de... Menou, c'est bon. Ah bah oui. C'est gagné. C'est cool. GG-Z. Voilà, on fait un perso à 3 en fait. Et puis bah, Ashton, il fait la partie, négociation. Ouais. Fait, voilà, ouais, il faudrait la tchatch de Kaja et puis. Donc, Aislorine, tu constates effectivement quelques regards. Dans votre direction, en général, pas toi en particulier, mais tu dirais plutôt le groupe au complet. Okay. Ah ouais. Et qui nous regarde? Est-ce qu'il a pu voir exactement qui aurait... C'est un peu tout le monde. Ok, lui. Génial. C'est vrai parce que j'ai pas envie de me faire remarquer, quoi, parce que ouais, ouais. Aller le soulever direct, mais. Bref, ouais. En vrai, tu sais, moi, si on me fait chier, je vais me faire chier aussi. J'ai pas trop envie de foutre la merde, quoi. Au bar, il y a deux personnes qui quittent leur place et qui passent, hop là, par la même porte que... Non, je vais pas faire ça, fous-moi la paix. Hop là. Les deux passent sans encombre, hein. Après, ce qu'il faudrait, tu vois, c'est qu'on essaie de demander des renseignements par rapport à ce baron, mais je pense pas qu'on soit le mieux placé pour ça, quoi. Moi, je propose de faire signe, en fait, justement, à Argonara, un signe de tête pour lui faire comprendre, quoi, justement, comme des places de se libérer au bar. Ouais, bah, je vais le suivre, comme justement, ça. Là. Okay. Je le suis. Donc, alors que vous vous installez au bar, vous voyez que l'homme descend de sa chaise et se dirige ailleurs. Et maladroitement, alors que il se dirige vers cette table-là, vous voyez qu'il donne un coup de coude à cette personne qui renverse son verre, titube et trébuche contre... Argonara. Le liquide retombe sur des personnes qui sont ici, qui se lèvent et qui commencent à se mettre à gueuler. Ah, tu peux pas faire attention, espèce d'abruti. Ouais, machin, j'ai reçu partout, blablabla. Et tu vois que le type qui s'est cogné contre toi, Argonara, qui est passablement éméché, il s'appuie sur toi, il se retrouve. Si tu regardes, je défonce la gueule comme je veux. J'ai envie de lui foutre un coup de poing. Est-ce que j'ai moyen de savoir si le fameux perso encapuchonné là, il l'a fait exprès ou pas? T'es sûr à peu près 2000% que c'est fait exprès. Ouais, ok, d'accord, il veut foutre de la merde. Fais-moi un jet de mêlée bagarre, s'il te plaît, Argonara. Ok. La bagarre. Et tu fais 4. Enfin, on commence à s'ennuyer. Vas-y. Ok. Le record du mort, c'est combien de temps?
Non, mais mourir par un mec bourré dans une taverne, ce serait quand même la pire. Ça serait quand même assez moche, parce que quand même, le mec, bon, vu ma carrure, il va quand même pas me faire hyper mal. Voilà, c'est le mec qui va se péter les mains sur ton armure. Ouais, alors, ça, rappelle-moi ton bonus d'endurance. C'est où la dizaine, quoi. C'est dans... c'est ton score d'endurance, c'est la dizaine. Bonus. C'est actuel, ouais. Actuel. Endurance 4. Ok. Il va se péter les mains. Attends. C'est où ça? C'est où? Ok. Est-ce que tu as une armure sur le bras droit? Bras droit, non. C'est que mon corps, je crois. Ouais, okay. C'est que mon corps. Bon. J'ai un juste au corps, en fait. Ok, d'accord. Tu vois qu'il te donne mollement un coup au niveau du bras. Tu sais que ça va laisser un bleu, mais guère plus. Ouais, quoi. D'accord. Par contre, il s'apprête à t'en coller un deuxième si tu... Mais moi, je vais lui dire, je vais le provoquer un peu. Je vais dire, bah alors, c'est tout ce qu'on vaut. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vois que ça chauffe. Je regarde à Argonara. Ouais. Et je lui fais un signe de la tête, enfin, je lui fais un regard un peu insistant et pour lui faire comprendre qu'il faut calmer la tension. Sans vraiment un sujet de mots, tu regardes d'apaisement pour éviter que ça s'envenime. Enfin, je le fais très calmement parce que je sens, je me doute quelque chose qui se trame et que c'est très curieux que ensemble trois personnes aillent dans cette pièce dans laquelle on ne sait pas ce qui se passe. Techniquement, on dérange quoi, et que il va se passer quelque chose quoi, en fait. Moi perso, sans. Ouais, vas-y, je te laisse finir. Ouais. Et que dégommer du pécor, tout ça m'intéresse pas. Ouais, ok. Bon, du coup, ok. Bon, on va essayer de calmer le jeu. Bon, j'ai pas gueulé ça, bien évidemment. Bon, j'aurais aimé, mais. Moi, sans quitter des yeux toujours le mec encapuchonné. Ouais. Je vous fais part justement que j'ai vu qu'il l'a fait exprès en fait, que c'est le mec le responsable en fait. Et pendant que t'es en train de parler, l'autre qui était assis à la même table que celui qui essaye de frapper Argonara sans trop de succès, fait le mec à la capuche. Et crois que j'ai pas vu là, je cherche la merde. Je lui mets une patate directe. Vas-y. Alors voyons voir. Alors attention, ça veut pas dire que c'est un échec, hein, ça va dépendre de son jet. Au passage, je tiens quand même à saluer la performance de Maca Deville dans... Les mecs bourrés. J'avoue, c'est magnifique. Bourré. Franchement, très très bonne imitation. Je me sens immergé au plus proche de l'alcool. Hein. Je pense que le plus dur, c'est de faire deux mecs bourrés différents. Et ça. Ouais, ça c'est attends, ça, c'est... il a répété hier soir. Figurez-vous que ça fait deux semaines que je picole en boucle pour pouvoir ressortir ces personnages. Ah, ok. Les mecs bourrés, moi. Franchement, Baka, c'est tellement crédible que je pense que si on ferme les yeux, qu'on se concentre un peu, on sent les vapeurs d'alcool. Ah bah ouais, c'est... moi je fais des efforts, hein, Petite bière. Alors, donc tu colles une patate, et tu vois que... Enfin, t'as un peu l'impression que... C'est vraiment de le sonner et qu'il se calme, quoi. Ah non, mais si tu veux, t'as l'impression qu'il est pas dans la même timeline que toi, quoi, parce que... Déjà, tu le frappes, il prend le coup, il ne bouge pas. Tu vois, l'instant d'après, il essaye d'esquiver, c'est beaucoup trop tard, hein, et il tombe à la renverse sur la table. Vidant les quelques chopes qui n'étaient pas encore vides. Pendant ce temps-là, l'homme encapuchonné attrape le bras de celui-ci et l'envoie valdinguer de ce côté-là. Donc il envoie de la bouffe partout. Ces mecs-là commencent à s'énerver parce qu'ils ont reçu de la bouffe et ça commence à se fighter un peu partout. Okay. J'aurais tendance à vouloir le pointer du doigt, moi, en disant arrêtez-le, genre pour foutre le bordel, mais ouais. Détourner le bordel dans la direction de ce mec, quoi. Et bien pour ça, il va falloir que tu me fasses un petit jet.
Et ça va être un jet de commandement, tout simplement. Terrible. Limite, ça serait plus moi qui pour le commandement. Après, là, pour l'instant, t'es plutôt occupé. Ouais, bon, après, j'ai l'autre qui est sur, sur moi. Ouais. Ah, pas de soucis, je fais petit jet. C'est sûr que je suis pas à l'aise. Hein. Ouais. Cette réussite critique de merde. Ah, il a fait une réussite. Les mecs sont bien trop occupés à être pleins comme des barriques pour ils vraiment s'intéresser. Ah ouais, non, ils se... Ça décuple les capacités, je t'avais déjà dit. Bah, ah ouais, non, mais c'est... On a eu ici, hein. C'est n'importe quoi. Du coup, t'as même des mecs qui ne savent même pas trop pourquoi, qui se lèvent et qui commencent à donner des coups dans tous les sens. Il y en a qui balancent de la bouffe. C'est la fête. Ils se battent entre eux ou l'attention est dirigée sur nous? Non. Tout le monde se bat entre tout le monde. Il y a pas c'est de merdier, quoi. C'est le merdier. J'ai une question, Kavi. Le propriétaire justement du bar là, il dit rien, il voit ça, donc il fait quelque chose. Gert, je crois, ouais, ça, C'est Gert, hein. Gert, vous voyez qui soupire comme ça, qui pose la chope qu'il était en train de nettoyer, tire une petite lettre, attrape un marteau à deux mains et commence à faire le tour de son bar. Et c'est pas vrai, toujours obligé de m'occuper de tout, moi. T'as direct un marteau. Ah ouais, ok. Ah oui, le mec, il a pas le temps, il s'en fout. Hein. Alors, moi, je lui demande s'il a besoin. Écoutez, s'il y a besoin, je peux vous aider. Moi, j'ai mon Warhammer. Pour se mettre bien avec. S'il faut, ouais. Moi aussi. Hein. Moi, j'ai vu que c'est mon copain, lui. Que j'avais de savoir ce qui se passe dans la pièce, que je sais pas ce qui se passe avec Kaja. Donc, ben moi je lui dis justement à Gert, je vais lui dire, écoutez, si vous avez besoin d'aide, voilà, je lui montre mon marteau, enfin mon Warhammer, et je lui dis, écoutez, si vous avez besoin d'aide, moi aussi je peux vous aider. Je sais qui a fait le coup en plus, donc. Non, c'est bon bar, mes clients, c'est moi qui tape. Bien lui. Oh putain. Ok, je vois perso, voilà, le seul truc que j'ai fait. Mais par contre, moi je veux pas le laisser s'enfuir l'autre là. Bah, moi j'essaie de mémoriser au plus possible son apparence, quoi. J'utilise mes yeux d'elfe. Est-ce que moi, moi je peux pas me décrocher, on va dire, du mec là qui essaie de me donner des coups et essayer justement de me diriger vers lui là. Bah, tu vois qu'il s'accroche à toi et il tient vraiment à peine debout. D'ailleurs, tu supposes que s'il était pas accroché à toi, il serait déjà au sol tout seul. Donc. Est-ce que je peux pas me dégager justement? Ouais, on peut l'aider à le dégager, quoi. Ah oui, vous pouvez, ça va être... Genre on le repose gentiment sur sa oui, chaise. Oui voilà, je veux pas l'envoyer genre à... Ah. Je sais quand même. Enfin gentiment, avec un petit peu de force pour le décoller. Oui voilà, je le jette pas juste, la place, voilà, je juste... Vous pouvez faire de l'intimidation, et sinon c'est mêler bagarre, hein, quoi qu'il arrive. C'est quoi le terme... Physiquement, parce que... Le terme qui fonctionnerait le mieux, le terme qui est le plus à l'encontre du terme épique. Pathétique peut-être, voilà. La bagarre excessivement pathétique, oui. Donc un jet de mêlée bagarre, c'est ça encore? C'est ça, ouais. Yes. T'as réussi? Non. Ah oui, d'accord, ok. Ah, moi c'est bon. Ah. Ouf, alors, attends. Parce que la réussite ne veut pas dire grand chose. Oui, c'est ça, ouais. Ça peut, si jamais il fait un critique. Oula, oui, maintenant. Par rapport à ce que j'ai. Donc, tu as un plus un. Ok, d'accord. Sans trop avoir besoin de l'aide de Eslorine, tu arrives à décrocher le mec de tes vêtements. Et tu le repousses juste un petit peu ou tu l'assois? Je l'assois. Ok, donc tu peux l'asseoir, donc tu l'assois. Attention, voilà. D'accord. Magnifique. Et du coup, vu que c'est un peu la confusion, moi j'essaie justement de poursuivre là, les deux. Hein. Je vais pas dire je cours, mais je veux pas les laisser s'enfuir. Si on arrive à se frayer un chemin là-dedans. Ouais, est-ce que je peux réussir à me frayer un chemin et surtout voilà essayer de pas échapper à,
à la vigilance de l'homme, bah, de l'homme en capuche, hein, qui est maintenant deux, visiblement, il y a l'autre là à côté aussi qui va s'enfuir. Donc les deux là, j'ai pas envie qu'ils s'enfuient. Hein. Je veux les rattraper. Hein. Ils savent quelque chose. Hein. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je disais moi comme connerie? Oui, comment vous essayez de passer à travers la foule de mecs bourrés qui se battent? Via mon agilité, évidemment. Me faufiler, sauter au-dessus des tables, voir sauter au-dessus des gens si je peux. Ouais, c'est vrai que toi t'es agile. Ouais. Bah, j'ai que ça. Moi, je suis pas fort. Je suis juste agile. Donc. Est-ce que tu as athlétisme? Oui, j'ai mis 5 points dedans personnellement. Parce que je regarde. Est-ce que t'as une compétence que tu estimerais plus appropriée? J'essaie de voir, mais il me semble pas. J'ai regardé un petit peu, mais non. On peut partir sur esquive si tu préfères. Bah, c'est moins bien que l'athlétisme, mais c'est à peu près kiff-kiff dans le principe, quoi. On prend la meilleure des deux, hein, tout simplement. Allez. Oh merde. Ah, que dalle. ce truc du double, c'est le double, c'est un peu violent. Surtout qu'en plus, t'es à 53, t'es vraiment à rien. Ah ouais, c'est à rien du tout, quoi. Donc, tu commences à essayer de te faufiler à travers les personnes. Et malheureusement, le mec assis sur sa chaise t'agrippe la manche. Et t'es même à deux doigts de perdre ta capuche. Pas ma capuche. Voyant ça, je l'aide si jamais justement il essaie de lui porter justement la main dessus, essayer de lui enlever la capuche, j'essaie de l'aider. J'ai toute ma force dans ma capuche, c'est mon secret. qu'est-ce que tu fais pour l'aider? Maîtrise. Je le maîtrise, ouais, je le repousse quoi. Ok, bah encore une fois, c'est de toute façon ça revient. Mais les bagarres, ouais. Mais les bagarres. Allez, boum. Oh là là, oui. Ouf. Alors. Je sens que je vais les envoyer Vlad Linguet, moi, ça va pas tarder. Hein. Donc, effectivement, tu le décroches très facilement. Tu vois que le mec, encore une fois, c'est comme son compagnon, hein, il réagit avec un temps de retard qui est affreux. Hein, c'est. Il a du lag en fait. C'est vrai, il y a un gros gros lag. Hein. Tu vois que bon, lui, il est encore en 56K, quoi, donc c'est moche. Alors tu vois très rapidement d'ailleurs qu'il est chopé. Ah merci Will Smith pour le host. Et j'espère que t'as réussi à finir Phantasmagoria 2. Alors donc, vous voyez Arnulf qui encaisse le. Le personnage que tu as réussi à décrocher et qui, pour la bonne mesure, le cogne. Le cogne et le met hors de combat. Le mec, il a un physique de Norse en plus. Ouais, non, mais oui, c'est, tu penses sincèrement qu'il vient de plus au nord que toi. Ah oui, non, oui, l'énigme de fin, elle a un faisable sans celui ça. Et salut à tous, c'est que l'abruti. Donc, Ormène, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dis à Ormène, je sais pas si t'es à côté de moi, qu'il faut pas les laisser s'enfuir les deux, là. Il faut qu'on essaye de s'extirper de cette... cette merde, c'est le cas de le dire, et... Faut qu'on essaie de les choper. Hein. Ouais, pareil, hein. Dès que j'en ai l'occasion, j'essaie de les. Moi, je veux bien, mais ça me fait un peu chier d'essayer avec Kaja. Ils se barrent par où, là? Ah ouais, ils vont pas où, hein. Ouais, bon. Bref. Ok, moi, est-ce que. De toute façon, après Kaja, elle peut rien faire, techniquement, parce que si elle tente quelque chose, elle va mourir, donc. Il y a au moins deux mecs avec elle dans la pièce, tu vois. Ouais, c'est une pièce fermée. En parlant de Kaja, du coup. Kaja, qu'est-ce que tu fais, toi? Parce que tu entends les bruits de bagarre. Hein.
Oui, bah, comme dans tous les bars, hein, après tout, hein, c'est pas si dépaysant que ça. Hein. Pourquoi ce serait forcément mes abrutis de compagnons qui seraient impliqués dedans? Mais... Hey, tu te calmes. Oh, je dis en toute cordialité, c'est bon. N'oubliez pas que je suis une contrebandière. Hein. Bon, oui, donc, je vais quand même essayer de revenir dans la... Dans la pièce principale okay, de l'auberge. Tu quittes la table. Les bruits m'ont intrigué, effectivement. Du coup, ouais, je te dis ça, Ormen, qu'on les laisse pas filer, quoi, qu'on y a, parce que là, ils vont vraiment vous échapper, là. Là, ils sont à deux doigts. Ok. Alors... Bref. Mais je partirai pas sans Kaja. Bah, écoute, ce qu'on fait, c'est que, avec Ice Lowin, on va commencer à essayer de les suivre. Et toi après t'essaies de suivre. Je pense de toute façon qu'on. Enfin tu devrais nous voir quoi au début. Puisqu'elle va pas tarder à arriver, je pense, Kaja là. Parce qu'apparemment elle va revenir. T'en sais bien des choses. Ah, ouais, là, pour le coup tu t'en sais rien. Ah oui c'est vrai qu'on sait pas, oui. Oula attends Kaja. Ouh, oula. Oh là. Oula ah. Attends. Va pas si vite. Oh là là. Est-ce que... Je peux pas continuer à... Mais, moi, en tout cas, ce que je te propose, c'est... Ok, tu restes là, mais nous, il faut qu'on... Enfin, Ice Lorraine et moi, il faut qu'on les poursuive. Moi, c'était prévu, hein. De toute façon. Quoi. Au moins, voilà. Pour avoir les infos... Il faut que nous deux, tu vois, on les poursuive. Je comprends, du coup, que tu veux rester pour Kaja, mais... D'accord. Attends, et moi, je dois faire... Mais moi je peux pas agréter. Moi je vais les dégager hein. En vrai pour l'instant ça a l'air de marcher. Moi je dégage mon chemin. Mets les bagarres du coup, si t'y vas à coup de patate, y a pas de problème. Enfin à coup de patate ou d'épaule hein. Là déjà parce qu'il y a un mec qui faisait chier là. Vous pouvez avancer un peu effectivement, vous pouvez au moins arriver jusque là de... okay, bon, parce que celui-là il est sur la table d'ailleurs, tu l'as bien calmé. Bon, je me mets là. Ok, mets les bagarres, alors c'est parti. Merde. Alors, je préfère un jeu. Ah, quoi que c'est vrai. Ils ont l'air d'aller dans leur boutique, donc c'est oh la vache. J'ai l'impression de jouer à Blood Bowl, tellement les résultats veulent rien dire. Donc c'est un turnover hein, pour l'équipe d'en face. Puisque la personne qui est directement, plaquer, moi, directement à ta droite, le mec donc, se ramène vers toi... Toi, tu sens qu'il est un peu plus costaud que les autres, tu sens que c'est certainement un docker à la base. Tu vois qu'il arme bien son poing pour te coller une patate. Tu fais un petit pas en arrière, à peine, et il se vautre devant toi, comme un caca. D'accord. Je continue à poursuivre, du coup. Continues à avancer. Argonora, tu fais quoi? Je continue à avancer, ouais. Pardon. Ice Lorraine, pardon, tu fais quoi? Bah, moi pareil, en fait, je voudrais me faufiler. Bah, justement, pendant que moi je les cogne. Je vais me faufiler en fait par là. Pour ensuite. Ok, vas-y. Essayer de les intercepter ou au moins. Bah, du coup, toi, tu te mets. Moi, je me mets là. Toi, tu te mets en haut. Je vais retenter un jeu d'athlétisme. Hein. Vas-y, retente un jeu d'athlétisme. Incroyable. Merde. Chier. Je pourrais faire un jeu. Ça a perdu sa superbe. Yes. Donc tu progresses pas aussi délicatement que tu le voudrais, mais tu progresses. Tu renverses à peu près tout ce qu'il y a entre toi et ton chemin, plutôt que de passer dessus de toute façon, avec la délicatesse des elfes. Du coup, personne ne peut se douter que tu es un elfe. C'est ça. Tout à fait. Personne ne peut vraiment se douter que t'es un elfe tellement t'y vas à la bourrine. Donc sans capuche, c'est un déguisement. C'est tellement la merde, ils sont tellement cramés que c'est fait exprès quoi. Elle ouais, débarre, elle déboit, de toute façon on fait souvent la confusion. Ouais, c'est plus ou moins la même chose. Il peut pas être aussi nul si c'est un elfe, ah, c'est pas possible. c'est ma couverture. C'est ta couverture. L'excuse, la meilleure excuse. Kaja, donc tu sors de la salle où tu es arrêté donc, par 4 personnes. Ouais. Il fait, oula, tu t'arrêtes bien vite de jouer toi, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai entendu le bazar qu'il y a de l'autre côté. Oh, vous savez, j'aime toujours voir un peu de l'animation dans les tavernes. Donc, ouais, s'il y a moyen de rigoler un bon coup. Non, je pense que ça va, tout est sous contrôle. Tu peux retourner jouer. Ah, bah c'est pas pour participer, hein, c'est juste pour regarder.
Il n'y a rien à voir, malheureusement. Alors, rentre si tu veux pas qu'on abîme ta belle petite gueule. Ah, bah dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une petite chopine? Ouais, bon... quand ça se sera calmé, on verra. Ouais. Ah. Vous êtes des amours, les mecs. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Tu entends une porte qui s'ouvre. Ouais. Et tu vois deux personnes rentrer. Ah oui, l'autre avec sa tête dégueulasse. T'avais mis l'artoir déjà en gros ? Alors non, parce que vous ne voyez, non, vous ne voyez pas justement sa tête à cause de, d'une capuche, mais tu as le droit de faire un jet de perception. On l'a vu, on a vu qu'il est rentré par. Vous l'avez vu rentrer par une porte, hein, effectivement, il n'y a pas de problème. Ok, bon ben on poursuivra encore. Perception. Perception. C'est un échec. Voilà. On faut qu'un jet en dessous de 50. Tout va bien. Rassurez-vous, moi non plus. Donc tu n'aperçois pas son visage, mais tu vois juste un peu de sa peau qui est assez étrange et qui est légèrement luisante, ce qui est assez étrange. Un peu comme si le mec sortait de l'eau. Ok. C'est vrai que c'est pas commun. Énormément. Hop là, il pousse un peu et tu les vois partir dans cette direction. Tu entends une autre porte. Oula, je suis en train de perdre un jeton si je fais ça. Et la porte se referme. Et le mec à côté de toi en profite pour te pousser un peu par l'épaule. Bon, retourne jouer maintenant. Dommage, oui. Je retourne des jouets, hein. Puisqu'il le faut. C'est le temps de progresser. C'est le MJ qui l'a dit, hein, donc on joue. Vous avez le temps de progresser, effectivement. Plus besoin de jet. Sérieux. Ben, on arrive presque au niveau de la porte, quoi. vous passez par la porte ? Ouais. Bah ouais. Vous profitez du fait que... Ouais, on profite un peu que Raymond fasse pas trop attention. Vous rentrez par la porte. Kaja vous voit rentrer. Les mecs vous voient rentrer. Fait hey, vous êtes qui vous? Vous occupez pas de nous, hein. Du coup, il y a deux mecs pareils. Est-ce que. Ah ouais, putain! Est-ce que dans les deux, je reconnais celui qui a foutu le merdier ou pas? Non. Celui qui a foutu le merdier. Ouais. N'est pas là. Il est pas là, enfin en tout cas je le reconnais pas. C'est pas un des deux qui est déjà présent. Si c'est les sbires copier-coller. Oui, bah ça va. Hein. Vous savez que c'est difficile de trouver des illustrations pour Warhammer. Des illustrations pour des PU. Hein, parce que pour trouver des mecs avec des grosses armures, des gros marteaux ou des pouvoirs magiques, ça c'est assez facile. Ouais. Est-ce que ce copain là, il a avancé ou pas déjà? Il est toujours là lui? Lui continue à avancer puis à taper pareil, hein, le barman fait la même chose, vous voyez que petit à petit ça calme les gens. Est-ce que vous entendez ce bordel là dans la salle à côté? Ouais, les deux responsables là, ils viennent de passer, on les a vus rentrer. On a vu passer personne. Alors je fais un jet vite fait et vous allez mentir convaincre du coup. Et c'est intuition, hein, pour voir si quelqu'un ment. Mon intuition me dit qu'ils se foutent bien de notre gueule. Donc du coup on fait nous deux un jet d'intuition. J'ai pas eu le temps de vous dire que vous aviez un bonus de plus 20 parce que vous les avez vus passer. Donc, Yes, plus 20, easy. Ah oh, bah c'est bon, ça passe aussi du coup. Ça passe easy pour tous les deux. Et effectivement, il vous manque quelque chose de méchant. Qu'est-ce que c'est étonnant. Ouais, ça suffit, hein. Racontez-nous, dites-nous toute la vérité. Hein. Si j'étais chaud, je leur mettrais l'épée sous la gorge, mais... et moi, je leur montrerai limite le marteau, genre... Je pense qu'ils le voient, je sais pas où tu le caches, sinon. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, pour le coup. Ouais. Et est-ce qu'en même temps, je les vois arriver, et... Enfin, je les ai vus partir là-bas, quand même. Tu les as vus partir, ouais. Tu les as vus passer par la porte. Est-ce que je peux... Ouvrir, je profite que Big Man là, soit parti. Ouais. Pour ouvrir la porte. Ouais, bien sûr, aucun problème. Hop, hop, hop. Tu ouvres la porte, qui n'est pas verrouillée. Hein.
Et tu vois cette situation où tu vois donc que Kaja est entourée, tu vois que ton compagnon elfe et ton ami prêtre guerrier, enfin novice pour l'instant, sont tous les deux sous tension et prêts à dégainer leurs armes. Mmh. Et ton arrivée ne fait que précipiter les choses puisque tous les hommes qui ne font pas partie de ton groupe sortent leurs armes. Non, moi j'arrive à la cool, hein, mode un peu mode palace, tu vois. Genre, c'est pas ce quoi là. Alors, je vais vous montrer à qui vous avez affaire. Les salauds. Les brigands. Et hop là. Donc vous pouvez voir plus ou moins comment ils sont armés. Yes. Ok. Ils sont aussi bien armés que nous, hein, finalement. Ça va. C'est ça la beauté de Warhammer. C'est que le moindre adversaire, il est aussi fort que toi. Même mieux, hein, parce que le second, il a deux dagues. Hein. Moi, j'en ai c'est vrai. C'est vrai. Enfin, là, pour l'instant, t'as même plus de dagues. Donc, ils ont dégainé. Je suis à l'arc, mais j'ai pas d'arc. Oui, en plus, oui, j'ai même pas de dagues, là. Ils ont dégainé. Alors, ils ont dégainé. Et tout le monde va partir sur votre score d'initiative. Vous allez me le donner. C'est alors, juste le score total. Hein, c'est le score total de votre initiative. Ah, c'est là où je peux frimer. C'est I, c'est ça? C'est I, c'est ouais. Ça pour initiative. C'est dans initial, c'est ça? Enfin, attends. Non, c'est actuel. Actuel, actuel, ok. Il n'y a pas le délire, on pouvait le changer nous-mêmes d'ailleurs. Vous aviez réussi la dernière fois, je crois. Ouais, ouais, on a qu'à le noter du coup. Notez-le. Ça te fait économiser du taf. Effectivement. Mais dès que quelqu'un note, je crois que ça fait tout bouger, je suis pas sûr. Non, mais ça remet dans l'ordre. Enfin, normalement, ça remet dans l'ordre. Donc, vous pouvez y aller. 58. Bah, c'est là qui est marrant, c'est que tu te dis putain, 58, c'est complètement ah pété. Ouais, dans Warhammer, putain, ouais, mais ça reste quand même à chier parce que je rate tous les Du coup, on le note soi-même, c'est ça? Bah, tu peux le noter en cliquant sur le chiffre. Et en... Tu mets chiffre, tu fais entrée, ça marche. Ouais. Enfin, le nombre. C'est marrant parce que c'est censé trier, mais ça le fait pas du tout. Bah ouais, il le trie, puis après il fait, bon, genre, il fait n'importe quoi. Kaja, c'est 35. Hop là. Donc, ouais, voilà. Pas de soucis. Argonara et Kaja, quels sont vos scores d'agilité? Alors, âge. Donc c'est actuel. 39. 28. Ok, donc c'est Kaja en premier. Parfait. On va gagner du temps. Donc, Aeslorine, à toi. C'est pas si j'avais un marteau, c'est si j'avais un arc. Mais, j'ai pas d'arc. Ah, et bah écoute, je vais le plus rapidement possible. De toute façon, j'ai bien vu qu'ils sont pas prêts à négocier, de toute façon. Dégainer mon épée courte, essayer d'aller. Défoncer celui-là. Et bah vas-y. Ouais, celui-là. Parce que je me dis que. Ouais, je suis moins merdique dans un petit recoin contre un cœur en plein milieu. Et du coup, est-ce qu'on les défonce ou on essaie de les questionner? Parce que moi, apparemment, ils ont sorti leurs armes, ils veulent nous défoncer. Là, d'accord. C'est parti pour la défonse. Hein. Bon bah, je vais sortir un pour moi alors. Moi pour l'instant. J'ai pas fait un jet de la soirée, ça va chier. On va dire que pour l'instant, moi je réfléchis pas à l'après. Là je réfléchis pour l'instant. Ah ouais, ok. Ouais, là c'est comme ça que je vais dégainer. Bon, alors. Aka, vive-moi jusqu'à la prochaine partie. C'est ça, moi pour l'instant je suis en mode. Le corps à corps c'est pas mon truc, hein, normalement. Parce que mon perso a des stats pétés, mais sinon. Ouais. Ah, mais je suis une grosse merde en fait. J'avais un rôle direct, espèce de connard. Je devais faire ça en fait. Espèce d'abruti. C'est ça que je devais faire. Eh bah, ouais, on va prendre celui-là, c'est un peu quasiment le même résultat. Donc quasiment la même chose. Et ça passe. Ça passe. Et alors, ça tape le body. Et tu fais combien de dégâts? 7 de dégâts hein, total, hein, c'est ça? Yes. T'as déjà précalculé. J'ai mis en dur. Ouais. Ok. C'est bonus de force plus 3, je crois. Alors, oui, on voit. En plus 4. Je regarde donc celui-là. Ça fait deux. Ok, d'accord. Bon. C'est pas ouf, mais voilà. Premier combat. Mais déjà, c'est pas un échec cuisant. Ça, c'est pas un échec cuisant et tu gagnes
un avantage. Ta-ta-tan. Yes. Donc c'est plus 10 à ton prochain jet d'attaque. Tant que tu te fais pas toucher ou tant que t'échoues pas lamentablement à faire un truc. On va dire que je mets un truc de couleur et que dans l'ordre. Ah, j'ai mis un 1 dans le truc vert. Oui, j'ai rien vu. Ah oui, connard, bah oui. Pas de soucis. Yes. Donc ça c'est fait. Kaja donc. J'avais pas eu ça moi au one shot, hein. Je savais pas comment ça marchait moi ça. Mais c'est vrai que t'as jamais touché aussi. Moi ouais, j'ai rien fait, j'ai couru. Bon alors du coup, je suis un petit peu embêté parce que si je participe à la baston là, déjà il faut que je récupère ma dague. La question c'est où est-ce que je l'ai posée ? Sur la première table ? Ou sur la seconde ? Ça se trouve, il y a une arme encore plus forte. Tu l'as posé sur cette table-là. Ok. Donc, bah, si je me déplace, il y a de l'attaque d'opportunité. Ouais. Ok. Donc, il vaut mieux que j'essaye de choper une arme qui se trouve sur cette table-là. De toute façon, si tu essayes d'attraper une arme sur la table qui est juste à côté, tu seras soumis à... Alors forcément, en cas, ne serait-ce qu'un minimum, un bonus pour eux pour te toucher. Ok. Tu passes entre eux pour récupérer une arme. Bon, les mecs, ils vont dire allez, elle est sympa, on la laisse faire. Souvent, un coup de pied dans les burnes. Ça reste l'arme secrète. Hein. Ah, j'avoue, je devrais peut-être faire ça du coup. Hein. Faute de mieux. Ou alors dès qu'on peut, on te lance une dague, en essayant de pas te la lancer dans la tranche. Ouais, alors ça, c'est plus ou moins ce que je voulais faire. Ça, ça va être prendre une arme. C'est plus ou moins ce que je voulais faire en retournant à la pièce, je vais repérer l'arme de Kaja. Okay. J'ai une dague moi. Aussi, hein, que et je pourrais lui lancer sa dague, en fait. Du coup, je vais faire mes les bagarres. Faire on aurait été super fort, on aurait pu faire un mouvement genre... On plante la dague dans l'ennemi, on retourne l'ennemi et t'as plus qu'à attraper la dague et tout. Ça marche pas. Alors, que je dise pas de bêtises. Non. Donc voilà, ceux qui sont le moins protégés, c'est ceux en gris. Voilà. Allô ? Oui. Kaja ? Oui, pardon. Tu tapes qui ? Oui, je tape celui-là. Alors d'ailleurs, question, c'est est-ce qu'il est tourné vers les autres, les deux autres ? Il est plutôt tourné en direction de... Ça dépend dans quel sens on est tourné. Du coup, je pense à ça, quoi. Donc tu tentes un sucker punch ? Non, je tente un coup de pied entre les roustons. Ça revient au même. Ça revient au même. C'est les deux sont déloyales. mais est-ce que je peux avoir un petit modifiant en plus ? Ah oui, bien sûr. Il y a une zone spéciale avec moins 30 d'armure. Alors, disons que... attends, parce que là, il y a bonus et bonus qui... Allez, j'ai pas envie de me casser le cul, je te donne plus 20. Allez. Plus 20 dans les couilles. Yes, bra. Oh là là, hop. J'ai secoué les grelots. Oula, mais attends, parce que attends, oui, j'ai oublié de compter ça pour lui tout à l'heure. Oui, putain, c'est vrai que j'oublie de compter que la marge de réussite ajoute des dégâts aussi. donc c'était, je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça. Je m'en souviens plus. C'est pas grave. Toi, vu le jet que je viens de faire, je calcule vite fait. Alors, excusez-moi, j'ai beaucoup de calculs de tête à faire. Je suis nul à chier avec ça. Non, mais t'inquiète. Je crois qu'il se fait mal. Notre calcul, c'est qu'il s'en va. Alors, voilà. Tu le mets au sol. Alors, ouais, remarque que j'ai mis ça, mais non, c'est pas bien. Sur, on a l'impression que tu l'as juste endormi. Voilà. J'ai mal au burde. Il est hors combat, hein, je précise. Tu viens, tu viens de lui ruiner ce qu'il a au niveau de l'entrejambe. Il se couche au sol. En se tenant les parties, en lâchant ses armes. Et tu l'entends couiner.
C'est vu le cri d'agonie, c'est même un calcul rénal. Ok, donc ça, c'est un de moins, j'ai envie de dire. Argonora. Ok, alors je vais. Coup de marteau qui ont volé. Taper lui, je pense. Coup de marteau dans les couilles. Okay. Ça va être marrant que tu dises je vais finir le mec au sol. Après, en fait, c'est de l'overkill, hein. Il est hors de combat. Hein, pour le... Mais voilà, contre, il est hors de combat. C'est... Ça peut démoraliser les autres, hein. Tu lui éclates le cerveau alors que le mec il est à l'aise. Ah, remarque, ouais, c'est les vrai que ça peut être pas mal. le moral joue dans Warhammer, effectivement. Et en vrai, ouais, vas-y, je vais faire ça. Je m'expose sa gueule. Est-ce que tu... avec le Warhammer, mon gars. Ok, alors, tu as un bonus de plus 30 pour toucher. Le mec il cale. De la bouillie, quoi. Il cale okay. La nuque du mec avec son pied. Bouge pas, mec, ça va piquer. Donc plus 30, hein. Plus 30. Si tu le rates, c'est possible. Mec, si hein. Je le rate, c'est chaud. C'est possible. Tant que je prends pas le coup de marteau à la place. Bonjour. Bon. Au secours. Ça va faire un peu mal. Ça va piquer, hein. Excuse-moi. Bon, je pense que là, on va prendre la marge de réussite. Hein. Ouais, je pense que c'est bien. Parce que sinon, ça fait juste 2. C'est nul. Là, c'est plus 8, là, bon. Oh, putain. Plus 8. MDR. Une dernière volonté! Ouais, j'aimerais. Est-ce que tu veux essayer de l'assommer? La grosse blague. En vrai, j'ai dévastateur. Tape doucement. Tape doucement. Je peux doucement toucher. Assommer. Attends, parce qu'assommer, il y a marqué toucher la tête. Ou je peux toucher la tête. Pour ouais, enfin là, tu veux pas l'assommer parce qu'il est déjà au sol. Donc, Mais il est déjà au sol. Je pense que si tu touches la tête, elle explose, tu vois. Donc tu fais... Non, mais je t'as pas fait exprès, quoi. Oups. Je le déglingue. Hein. Franchement, Nécro, t'es pas cool. Hein. J'avais déjà fait de la compote avec ses noyaux. Ah, mais mec... En fait, t'as épargné ses souffrances, là, pour le coup. Ils vont se chier dessus, oui, c'est les ça, ça. Et moi, je leur dis, vous voyez, le sort qui est arrivé à cet homme, ça va être pareil pour vous aussi. Donc soit vous me dites ce qui se passe maintenant, soit j'en tape encore un autre, ok? Il faut changer. J'en tape... C'est bien comme il minimise ce qu'il vient de faire. J'en tape un autre. Est-ce que quand tu lèves ton marteau, tu dis autre chose, genre une prière ou un truc comme ça? Oh, je prie Sigmar, bien évidemment. Ok. Tu pourrais prier pour leur vie. Hein. J'aurais rien à foutre de leur vie. Minable existence. Subissez la justice de Sigmar. Je planche. Il est très très juste. Ah bah ça. Merci ouais, Dieu Sigmar. Oh, c'était une critique. Oh. La calotte de Sémor, lui, alors... La calotte de Sémor. Ok, excusez-moi. Et du coup, je crie vraiment ce que j'ai dit, hein, pour vraiment les intimider, et s'il faut, changer de commandement. Tout à fait. Alors, attends, 2 secondes, je... Ouais, vas-y, je cherche l'icône qui décrirait bien ce qui se passe. C'est pas facile, hein, parce qu'il n'y a rien qui représente véritablement la peur. Ah si, il y a ça. Voilà. Voilà. Je crois que mes doigts aussi. La moitié de l'icône en bas avec le champ de vision, mais je vois laquelle c'est. Toi, tu vas l'avoir. C'est de la migraine. Attendez, je vais rajouter une icône pour lui, parce que... Tant qu'à faire, elle sert pas souvent. Il va avoir toutes les icônes. Bah, il a plus de tête, je bouge vers une tête de mort. Ah, oui. C'est un crâne perforé. Tout crâne bien. Ah d'accord. Ah oui, peut-être que tu le vois pas bien parce qu'il doit être à moitié dans le mur, non? Ah non. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais. J'ai eu trop dézoomé en fait, vous voyez pas. Ah. Ouais, effectivement, c'est vrai que les icônes sont un peu petites. L'icône chier dans son froid. Ouais. Je vais finir par vous aimer les autres, bordel de merde. C'est ça, priez Sigmar. Ah ouais, les mecs vont se mettre à prier d'un seul coup. Oh, mais à toi. Ok, donc le mec qui est face à moi, là, qui est face à moi, mm-hmm. Il regarde ce qui s'est passé, quoi. Il te regarde et toi, mais là, maintenant, il regarde en direction du cadavre de son pote, qui n'a plus de tête. Hein. Ok, du coup... Éventuellement, je peux avoir une attaque d'opportunité. Tu peux, non, mais. Si je me déplace. T'as un bonus de plus 30. Si tu ne vises aucune partie
Enfin, on va dire, voilà, si tu cherches rien de particulier, t'as plus 30. Si tu veux juste le taper, vas-y. Ok, par exemple, si je me mets ici, en fait, ouais. Les deux à moi, de pas sortir mon épée, mais sortir ma dague et essayer de l'égorger. Oh, bah, effectivement. Fais un jet quand même, juste pour voir s'il n'y a pas d'échec critique, et puis normalement, ça devrait le faire. De dague, ça doit être basique, hein, mêlée basique normalement. Oui, mais je peux roll la dague aussi. Ah oui, tu roll la dague, effectivement. Du génie. Sans modifier ailleurs, du coup. Plus 30, mais plus 30. Ça m'aidera à calculer la marge de réussite si besoin est. Okay. Wow ouf. Ça va. Bon, ouf. Je fais pas une trace très nette, mais ça fait... c'est pas du grand œuvre, mais... Oh là, oui, ouf, à l'aise. Mais en vrai, vu qu'ils ont peur, il faudrait vraiment essayer d'en questionner un, quoi. Enfin, faut essayer d'en choper un, quoi. Si j'ai le temps, je vais essayer. Mais ouais, faudrait éventuellement... Oui, pas besoin, mais... pas besoin. J'ai de quoi être très persuasif. Ah oui, c'est vrai que toi, en plus, ouais. Oui, métier, c'est interrogateur, donc c'est bon. Vrai, ouais, mais en plus, c'est justement pour ça, ouais. Il faut au moins qu'on en chope un, quoi. Donc tu l'égorges sans autre forme de procès. Et son... Si, il l'a eu, hein. Il a eu son procès. Ça, voilà. Coupable. Il tombe au sol, comme un vieux caca. Et c'est au tour des brigands. Alors. Lui, moins, déjà. Lui, voilà. Lui va faire un jet d'esquive. Alors, je veux pas t'obliger, hein, Eslorine, mais tu peux faire une attaque gratuite à plus 30. Il essaie de se barrer. Attends, le mec plus 30, plus 40, hein, puisque t'as déjà plus 10. Il essaie de se barrer, le mec à côté de moi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux viser de façon à le blesser, genre qui tombe au sol ou qui n'arrive pas à se déplacer, quoi? En tout cas, il essaie juste de se barrer. Tu fais un tacle. Tu me dis. Genre, moi, je le blesse, il tombe par terre et il peut plus bouger, quoi. Il faut que je troque une partie de mon bonus. Faut que tu troques une partie de ton bonus, c'est juste plus 10, donc plus 20 avec ton bonus d'avantage. Ça marche. Donc je fais un plus 20. J'essaie de viser ses jambes. Ouais, pas de soucis, c'est pris en compte. MDR. Je réfléchis. Et si je rate, je rate. Hein. Ah bah non, mais je suis con, j'ai pas besoin de. J'étais en train de relancer les dés. Mais non, mais il a déjà fait un échec critique. Ouais. Donc ça fait. Oula, ça fait. C'est bon, ça touche. Tu le mets effectivement au sol. Je vais mettre comme ça pour pas qu'on confonde. Ouais, donc t'en as maîtrisé. Bon, ça c'est cool. Mais il est au sol, quoi. Au pire, si on, sans faire exprès, vous tuez les autres. Bon, oui, non, mais je pense que les autres, on va les tuer. Tu lui as supprimé les ligaments derrière la jambe. Voilà. Tranquillement. Ça s'est fait. Celui-ci et celui-ci. Comment ils vont se démerder? Ils sont un peu gênés, du coup les mecs se collent pratiquement dos à dos, ils se gênent l'un l'autre. Du coup, faire un jet pour toucher. Quel jet? Tu peux me faire un jet de mêlée basique, s'il te plaît? Non, mais non, moi je suis sympa, il me tape pas. Ah là là. Ouais, ouais. T'es pas obligé, hein. Tu peux encaisser le coup. Ok. Ok. Et l'autre... S'il faut, moi, je continue à leur faire peur, hein, je leur dis. Si vous touchez à un cheveu de cette femme, vous avez affaire à moi. Hein. Alors, hop, lui se rend... et lui il essaye de toucher Kajem, mais n'y arrive pas. Ok. Bien qu'il y a assez de courage. On note l'effort. Ah ouais.
Et c'est parti, on retourne sur Ice Lorine. Bon, moi je vais m'assurer voilà, qu'il bouge pas. Je vais lui mettre l'épée sous la gorge pour le maintenir au sol, quoi. Ok. Même s'il va... Normalement, il va pas aller loin, mais bon. Il se rend. Je m'assure qu'il... Voilà. Il se rend, je m'assure qu'il bouge pas. Ok, parfait. Kaja. Yes. Comme ça, vous avez le champ libre, vous faites ce que vous voulez. Soit vous en gardez un deuxième, soit vous massacrez tout le reste. Mais je pense qu'on va essayer d'en choper un deuxième et puis l'autre. Je vais dire, plus on est de fous, plus on rit, mais bon. Pas trop. Pour alors, autre. Là, du coup, si je me déplace, là, on... Je suis encore en possibilité d'attaque d'opportunité ou c'est bon? Par celui-ci, ouais. Ah, par celui-ci. Ça peut servir à l'interrogation, un marteau? Oui, bien sûr. De toute façon, n'importe quoi peut servir à l'interrogation. Du moment que c'est assez large... Tu vas parler, oh, oui. Il y a ça aussi, effectivement. C'est vrai qu'on peut aussi taper avec, pardon. Tant que ça pète des membres, ça l'interrogation. Est-ce que tu tiens à ton bras? Tu tiens ton bras? Le mec sans bras, sans jambes, il peut encore parler, normalement. Tu peux faire un jet d'esquive et puis t'éloigner du combat, si tu veux. Je pense que je vais faire ça, ouais. Ça me semble être une bonne idée. Ok. Du coup, j'ai d'esquive. Oh. Ok. Alors. Le positif, c'est que tu vas pouvoir récupérer tes mises et gagner la leur. Putain, c'est pas vrai. Non, mais j'ai déjà récupéré mon podiro. Bah oui, tu vas pouvoir gagner la leur, du coup. C'est bon. Tu peux récupérer ta dague. Ok. Enfin. Attends. Qui te dit que j'avais envie d'aller par là? Ah, pardon, excuse-moi. Parce que, oui, sur l'autre table, est-ce qu'il y a justement des dagues? Oui. Et ben, justement, je vais... sauter, genre, sur la table, récupérer une dague au passage. Ok. Ça me va. Et aller par là. Je peux faire tout ce déplacement-là? Tu peux faire tout ce déplacement-là. C'est une bagarre de bar, hein. On va pas aller trop loin non plus. Oui, voilà, là, ça me semble réaliste de juste sauter de l'autre côté de la table en chopant un petit truc au passage. Et en disant, bon, les mecs, on ferait peut-être mieux de s'intéresser à la porte d'en haut, là. Mmh. Ah, comment vous réagissez à cette nouvelle information? Ben, ouais, tu les as vus partir? Eh, yes. Enfin, je dis pas plus que ça, mais... Ok, Alors il faut qu'on nettoie cette salle. Ouais, mais il faudrait quand même en interroger un, quoi. On a encore besoin du mec, finalement. Ouais, j'aimerais quand même avoir la possibilité d'en interroger un. Mais ouais, il faudrait quand même les poursuivre. Je vous dirai tout ce que vous voulez, me tuez pas. Ah, mais on a plus besoin d'infos, bam. T'es le pire gars. Arbenora, à toi. Alors je fais quoi, moi? Moi, j'essaie de les poursuivre, les deux, là. Je vais vers l'eau. Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Non, je demande au groupe. Après, le truc dans lequel je suis le moins merdique, normalement, c'est poursuivre les gens, les pister. Normalement. Bah, au pire, t'essaies de les pister, toi, justement, et moi, je prends ta place, je me mets à côté du mec, là. Tu peux faire ça. Ouais, je pense qu'on va faire ça. En pire des cas, si ça craint, je reviens, mais normalement. Moi, je me mets là, justement, voilà. Je reste là, voilà. Okay. J'ai retenu leur visage. Voilà, je les regarde, voilà, en disant qu'ils fassent pas les cons. Et du coup, ouais, je vais laisser plus Lorine les poursuivre les deux autres. Hein. Ok, pas de souci. Emmène à toi. Donc, comment je fais pour pinguer déjà? Tu laisses clic gauche appuyé à un seul endroit, comme ça. Ok, clic gauche. Donc, ce n'est pas clic droit. Okay. Oui, oui. Non, c'est qui moi, c'est qui a dit clic droit? Qui c'est qui a dit? Moi, c'est pas moi. Non, moi, c'est j'ai moi, dit clic gauche. C'est moi qui a dit. Donc, lui, il est encore. Lui, il est encore apeuré. Ouais. Ils sont tous encore apeurés. Ouais. Et lui, il a fait quoi pour se rendre? Il a posé ses armes? Il a acheté ses armes au sol. Et il a levé les bras. Tu peux commencer à les interroger hein, déjà. Non, parce que lui, il est encore. Ouais, mais lui, il est apeuré. T'inquiète pas que si jamais il tente quelque chose... Il va tenter quelque chose. Si il tente quelque chose... Tu peux lui retirer sa peur, définitivement. C'est ça, voilà. Je vais lui mettre... Au pire, oui, tu peux le taper, alors, vas-y. Tape-le. Enfin, tue-le, limite. Donc là, lui, il fait quoi? Il est dans quelle position? Il regarde Kaja faire ses trucs?
Non, non, il est tourné face à là où était Kedja avant. Ok. Bah du coup, je vais m'avancer... Tu peux aller là, tu, ouais, ouais, tu peux aller là, y'a pas de problème. J'ai envie de m'avancer ici, là où je suis là. Ouais. Et pareil, j'ai toujours la dague en main. Et pareil, essayer de l'égorger celui-là à la volée. Même si c'est rendu. Bah là, ce que tu peux tenter, c'est de, d'essayer d'atteindre sa gorge, quoi. Mais égorger, ça va être tenté. Ouah, merci. merci, Gorquack, pour les 2 mois de sub. Dans le sens où, enfin, voilà, il a les mains en l'air, je pense pas qu'il puisse riposter. Et je me dis qu'il a pas bah, que c'est un peu un kill facile, tu vois. Enfin, l'égorger ou essayer de le tuer le plus possible. L'égorger, c'est ce qui est plus simple. Mais... Bah, fais ton jet d'attaque. Si le tuer le plus possible. Enfin, le tuer d'une façon ou d'une autre, tu vois, mais genre le tuer. Je veux qu'il meure proprement, tu vois, dans le. Je veux qu'il meure proprement, mais qu'il meure quand même. Hein. Donc tu as plus 20 parce que tu as déjà un avantage, donc tu as plus 20 pour viser au niveau de la gorge. Donc plus 30 en tout ? Non, plus 20 au total. Plus 20 avec l'avantage. Parce que j'ai compté aussi les désavantages. Faut vraiment qu'il fasse pire. Bon, il fait pas pire. Malheureusement, tu perds ton avantage. Ok. Hop là, voilà. Et c'est tout ce qui se passe pour l'instant. C'est au tour des brillants. Je vais y arriver. Lui, il est toujours mort. Donc lui... faire un jet d'esquive. Ok. Le chat juge. Ah. Le chat juge quand même. Oh. Le mec qui a levé les mains pour son... Ah non, oui. Non mais c'est Warhammer, hein. Vous avez cru qu'on faisait la charité aux mecs qui veulent nous égorger ou quoi? C'est ça. Donc Ormen, tu as le droit à une attaque avec plus 30. Plus Blackstar, merci d'être passé. Pardon. Yep. Faut que je fasse plus 30, c'est ça? Plus 30, ouais, dans le modificateur. Ah, c'est ce qu'on peut faire. Et... Malheureusement, ça ne passe pas. Donc tu essayes de donner un coup de deck pendant que lui se retrouve à sauter sur la table et à courir. Et il se retrouve bloqué par Kaja. Mais... Il ne compte pas attendre bien longtemps pour la buter. Ce sera le tour d'après, bien entendu, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Ice Lorina, vraiment toi. Pas cool ce maître de jeu. Ah bah ça. Du coup, je vais essayer de faire ce que je voulais, donc ouvrir la porte et. Ah oui, pardon, excuse-moi. Là pour le coup, vous avez laissé la porte ouverte, donc je peux la virer. Et voir. J'imagine que d'ici c'est difficile de... Alors je sais pas trop combien de mouvements j'ai le droit, etc. Enfin je sais sur ma fiche, mais je sais pas trop ce que ça représente. Sur ta fiche, tu vois le mode 5, course. 20. Ouais. 20. 20, ben c'est le nombre de cases que tu peux faire. Ah oui, c'est beaucoup. S'il faudrait que je regarde... Ouais d'accord. MDR, c'est un cul-de-sac à droite. Donc on va dire que j'ai fait genre 2 pas pour voir, c'est un cul-de-sac. Bah c'est bizarre que t'aies fait un cul-de-sac, enfin que, parce que bon, en dézoomant un bah peu, tu... Ah ouais ? Je vois un cul-de-sac, attends... Non, mais... Après on voit que c'est ah oui, la bordure... Non, d'accord. Oui, non. Ça bordure non, de la map, je suis teubé, en fait, j'avais pas dézoomé. Oui, c'est la bordure de la map. Du coup, oui, en fait, je vois très bien les deux mecs, en fait. Tu les vois en train de courir, au loin, ouais. Oui, non, my bad, j'avais pas dézoomé assez, en fait. J'étais en mode peut-être qu'ils sont sortis de la map et que je suis censé essayer de deviner ou quoi, tu vois. Non, c'est en fait, je me suis rendu compte que t'avais pas suffisamment dézoomé, quoi. Tu me dis, oui. Bah, je vais aller voir sur le côté. Bah oui, c'est ça.
Parce que je fais ça, je fais bah oui, c'est le bord de la map, espèce de con. Le pire mec. Bah du coup, ouais, là je les vois littéralement courir en fait. Ouais. Ils regardent derrière eux, ils s'en foutent. Et oui, ils regardent derrière eux pour voir s'ils sont suivis. Et ah, dès qu'ils te voient, ils pressent le pas. Est-ce que tu préviens tes compagnons? Est-ce que j'ai le temps? Oui, oui, t'as le temps de les prévenir. Bah ouais, donc je ils les sont vois, là. Ils sont là-bas, je les suis quoi. Enfin, je les suis du mieux que je peux. Ok, bah tu peux te mettre à mi-chemin. Tac. Du coup, il nous a prévenu. Il vous a prévenu, ouais. Vous l'avez vu okay. Partir en courant. J'ai indiqué la direction. Ok, bah je suis. Ok, Alors, attends. Juste avant, Kaja, est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais face à ton assaillant? Et ben encore une fois, je vais essayer d'esquiver. Parce que bon, j'ai pas non plus envie de les buter. Oui. Donc bah esquive. Vas-y. Pas de modifieur. Hein. Pas de modifier, non, pas du tout. Ouh. Telle une anguille. Tu dépasses le mec. Voilà. Rien à foutre. Droite gauche comme tout à l'heure, mais comme tout à l'heure. Mais utile cette fois. Et tu peux sortir de la pièce. Et c'est bon. Pareil, bah je vais. Je te mets là, voilà. Là, ouais, ça me semble bien. Voilà. Argonora, à toi. Ok, est-ce que je peux les poursuivre? Et surtout, juste avant, est-ce que je peux encore le mec là justement là qui a encore peur? Est-ce que je peux encore refaire un jet, enfin je sais pas de commandement, mais leur dire que s'ils tentent quoi que ce soit, je m'occupe de son cas. Comme son pote. Tu fais un jet d'intimidation, s'il te plaît. Ok. Intimidation. J'ai pas de bonus. T'as un bonus de plus 20. Allez. Voilà. Et c'est un succès. T'as compris? Tu fais pas le con. Si je te vois faire de tenter quoi que ce soit, c'est le même sort que ton pote a subi. Ok. tu vois qui lâche sa hache et puis qui lève les bras. Ok, c'est bon. Okay. Votre compagnon les a déjà trouvés. Ils sont partis par là. Allez-y. Je veux pas me mêler de ça. J'ai envie qu'ils viennent avec nous. Le mec le moins résistant à l'interrogatoire du monde. C'est ça. Hey. Dis-moi tout ce que tu... Oui, ils sont par là, ils sont partis. C'est ça, ouais. Ils sont partis. Je peux vous donner leur adresse. Prenez tout mon or. Est-ce que tu sais exactement... Les bâtonnets de Colin, pardon. Est-ce que tu sais exactement vers où ils se dirigent? Je connais pas l'endroit, mais c'est dans les ruelles. Ils, où ont, ça un ils ont un quartier. J'en sais rien. Dans un quartier lequel? Proximité, là. Si vous les coursez, vous arriverez à trouver. Tu vas venir avec nous et tu vas nous montrer où c'est. Hein. Mais je sais pas où c'est. Je peux pas y aller. J'ai jamais été invité là-bas. Je m'en fous. Tu vas... C'est comme si. Tu vas venir avec nous, tu vas nous suivre. Ok. Est-ce que tu attends qu'ils viennent ou est-ce que tu sors? Ah ouais, parce qu'en plus, il faudrait que je... Ouais, il faudrait que je vienne. Et je suppose que je vais avoir un malus si je le fais courir avec moi. Oui. Ça va être chiant. Tu peux aussi te débarrasser du poids. Je peux éclater. Ah, tu fais ce que tu veux. Je fais mauvaise réponse. Ouais, mais en vrai, j'ai envie de les poursuivre aussi, de t'aider, parce que là, t'es tout seul. Parce que là, je peux faire qu'une action, tu vois. Ouais, moi, je suis un peu une raclure. J'ai pas trop de considération pour des brigands humains, tu vois. Bah ouais, c'est... Je comprends, mais après, si tu veux, moi, j'ai droit qu'à une action, donc je peux pas... Ah oui. C'est ça qui est embêtant. C'est d'accord, c'est un problème de règle, pas un problème de morale. On est d'accord. Bah, les deux, peut-être, je sais pas. C'est ça, ça dépend. Écoute, c'est vrai que le mec courir en se chiant. Je pense que je vais courir. De toute façon, l'autre, voilà, c'est bon, il a jeté ses armes. Il va se vider de son sang. Oui, voilà. Tu m'as dit que c'était en quelle réaction par là?
et qui se situe dans un... qui va dans un quartier. Tu sais pas vraiment où c'est. T'es sûr ? Sûr. Sûr, sûr, sûr. Tu sais que c'est la mort si jamais tu m'as menti. Hein. Je reviens, je te traquerai au nom de Sigmar. Sur Sigmar, je... Est-ce que tu me range. Sur... Ah bah oui. c'est la religion d'État. sur... On sait jamais, on sait jamais. C'est Jésus du coin, quoi. Sur... Voilà. Sur le marteau de Sigmar, je quitte la vie de Wii U, je deviens un honnête marchand, promis. Très bien. Et tu loueras allégeance à Sigmar tous les jours. Ah oui, sans aucun problème, promis. Okay. Donc je vais dans la direction qu'il m'a dit, et voilà, je vais aider Aeslorin. Je me déplace de combien ? Hop là, je te fais te déplacer. Ah, oui. En sortant, si tu dézoomes assez, pas comme moi, tu devrais voir tout de suite. Ah oui, ok, je les vois. Putain, ils sont loin. Emmène Usenger. Usenger, pardon. Bon, bah, moi, je vais m'asseoir pour un verre. Eh bah, écoute, non, bah, je vais sortir aussi. Ok. Par contre, tout en sortant, j'ai quand même fait attention. Ils sont désarmés, les deux. Hein. Ils sont désarmés. Ok, ok. Ok, donc pareil, je sors. Ok, pas de problème, donc tu sors, et effectivement vous voyez donc les deux hommes, alors attendez, je vais faire une flèche, ouais, les deux hommes qui sont en train de courir comme s'ils avaient l'inquisition au cul, ah mais c'est ça, non, c'est pour ça, c'est un peu ça, et donc vous les voyez courir comme des dératés. Oh, plein. Pouet, 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 pouet. On va les poursuivre. Hein. Et vous allez les poursuivre. Le plus qu'on peut. Hop là. Et vous les voyez donc rentrer dans une ruelle non loin du quartier dans lequel vous étiez. Et vous voyez qu'ils commencent à disparaître dans des petites ruelles. Oh, fort heureusement, grâce à Aeslorin, vous arrivez à les traquer assez facilement dans une partie de la ville. Dans une partie de la ville où c'est déjà un peu plus malfamé. Ok, faut être prudent. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Ah, ok. J'ai failli faire une blague raciste, genre j'ai emprise sur les animaux, ça peut marcher sur eux. le racisme elfique, ça va. Le truc, c'est que c'est pas le roleplay de vos personnages, donc. Oui. Je joue un elfe modéré, moi. Je suis sans trop droit, quoi. Ce qui est une qualité rare pour un elfe, visiblement. C'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. J'ai eu ce souci dans une game de Vampire la Mascarade. Une goule avait en commande de toujours respecter la loi. De s'en suivant cette course-poursuite, il refusait de dépasser les limites de vitesse. C'est génial. C'est génial. Ça, je trouve ça génial. C'est parfait. Ah bah écoute, Maro, désolé, Maro. Tu verras, il y a une magnifique VOD et la 40e minute t'étonnera. Ah oui, la 40e minute, c'est la meilleure. Il y a un truc incroyable avec des dragons et tout. Ouais. Vous êtes pas prêts, vous êtes clairement pas prêts. Du coup, je vais vous souhaiter la bonne nuit. Merci aux joueurs d'avoir été patients et puis d'avoir été là ce soir. Merci à vous tous d'avoir été patients, d'avoir été là ce soir. Merci aux subs comme d'habitude. Merci beaucoup, Bacadéville. Merci pour avoir la patience de multiplier toujours de nouvelles tables de JDR. Ouais. Attends, puis merci. Ça s'améliore pas. Ça s'améliore pas. Donc, voilà. des bisous à tous. Des bisous YouTube. Et puis, alors, j'allais dire à vendredi, mais en fait, non. Donc, je vais essayer de voir s'il y a moyen d'organiser autre chose. Du coup, la bonne nuit à tous. Et à bientôt. Tchou tchou. Tchou tchou. Ciao.